Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. On est avec Zari, on est avec Ailey, on est avec Zulu, mais on est surtout avec le dieu. Nemesis, c'est là sur ce plateau. Incroyable. Merci, monsieur. T'as vu, hein? Arrêtez, ça me fait. C'est fou. Tu viens pas souvent, mais quand tu viens, on sait t'accueillir. Hein. Nemesis dit la queue de Bamako. Exactement. C'est ça. Bien joué. Ça va, Nemesis? Ouais, ça va très bien. Bon, écoute, tu sais pas de quoi on va parler, mais en tout cas, tu peux interagir avec tout ce qu'on va raconter et tu pourras donner ton avis ou nous chier dessus ou autre, voilà. En vrai, ça fait super plaisir d'avoir une nouvelle tête comme ça dans le récap, c'est ponctuel. Tu veux que je te dise ce qui fait plaisir? De quoi? C'est d'avoir un plateau symétrique, c'est-à-dire plein. Oui, ça fait plaisir. Mais c'est aussi d'avoir une nouvelle tête comme ça ponctuellement. Enfin moi j'aime bien. Moi franchement, je suis content que tu sois là. Enfin, t'as content. Passé une tête dans les. Par contre, je sais pas si studios, c'est moi, mais putain c'est sombre. Hein. Je suis en train de parler là. Oui, il m'a chié dessus. J'avoue c'est sombre. Ils sont hyper. Après ils sont en noir tous les deux. Mais ça ne justifie non, rien. Non, parce que tous les spots sont sur mes yeux là. Ah mieux. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée aujourd'hui. Zulu, c'était important ou tu voulais finir ou pas? T'étais vraiment en train de raconter un truc vénère ou... Non, c'est bon. C'est la bise, il était content. C'est bon, c'est bon. Laissez-le parler de son bonheur. Non, mais je suis juste content qu'il passe dans les locaux. On lui fait, vas-y, viens, mec, viens avec nous dans le récap. Il nous fait, vous avez parlé de quoi? On fait, on sait pas, mais viens, on va s'amuser. Et il a dit oui. En fait, normalement. Par contre, ton câble, là, il fait chier. En fait, normalement, c'est comme ça que devrait fonctionner une web TV. C'est juste que des fois, ça met un peu de temps, tu vois. Non, mais tout le monde ne peut pas être présent en même temps dans les locaux, tout ça, tu connais. Est-ce que ça m'intéresse? Eh non, absolument pas, j'en ai vraiment rien à foutre, tu vois, de ces excuses. Mais c'est pas des excuses, frère, c'est... Bah, c'est pas grave, même si j'ai tort, j'ai le droit de dire que ça me fait chier qu'on voit jamais personne de la TV sur ce plateau. Bah, c'est juste que, en fait, c'est des prestataires. T'invites pas, en fait. Ah, voilà, ça me fait chier que ce soit des prestataires. Le chat fait une remarque qui est, je pense, très intelligente. ton truc, là... Ah, le logo est à l'envers. Ouais, c'est à l'envers. C'est non. Fort, c'est tout si, à si, fait regarde, possible. Mets la grande cam. Oui, je vous. Putain, il nous chie dessus, quoi. C'est la faute à ES1 qui a rien qui marche. Oh. Voilà, c'est dit, merci. J'avoue, c'est. Attention, chiants, hein. Ils font toutes leurs émissions en ce plateau et à chaque fois, ils enculent tous les réglages. Ils font pas tout. Ils entendent certaines. Oh bah, pardon. Bah, t'as jamais regardé ES1. Chaque fois que j'ai une émission, il y a ce putain de plateau. Non, c'est pas vrai. Non, c'est absolument pas. Et c'est pas grave, c'est pas grave, c'est un détail. Mais en fait, c'est juste que. C'est vrai que. Force est de constater que depuis qu'ils utilisent nos studios, étant donné qu'ils n'ont pas le même setup que nous, à chaque fois, on a les lumières qui nous enculent parce que. Ils font à leur sauce et tout, et c'est chiant, il n'y a rien qui marche. Moi, je suis très déçu. Autant j'étais très content. C'est ouais, Zulu, il a fait l'ascenseur émotionnel. Ouais, dans voilà. J'étais très, très content que Nemesis soit avec nous, mais autant. Et ça casse les couilles. Mais ça ne casse pas les couilles que ES1 utilise le plateau parce que. Oui, ça casse les couilles que ce soit chiant. On prête le plateau à plein de gens et ça nous va, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est juste, merde, remettez comme c'était, vous êtes arrivés, quoi. C'est chiant. Ils ont remis. Ouais, bah ouais, ils ont remis. Il y a même eu un tournage de Manu ici, Manuel Ferreira, et c'était Ferreira, et c'était beaucoup plus propre après. Ouais, on s'en rappelle. On s'en rappelle. Ah, c'est ça que t'étais venu l'autre jour. Okay. Bon, on va changer un petit peu d'ordre pour la présentation de ce récap. Pour une fois, on va commencer par les news. Voilà, c'est moi Quentin. Fais péter jingle les news. Et on va commencer avec Nvidia qui annonce deux nouvelles puces, dont une qui ne servirait que pour la crypto-monnaie. Alors en fait, pourquoi? Parce que Nvidia déjà va annoncer une nouvelle puce qui sera le cœur de ces nouvelles cartes graphiques qui devraient être annoncées normalement le 26 mars lors de la conférence GPU Technology. Jusqu'ici, ça a du sens, tu annonces des GPU pendant la conférence GPU, c'est bien. Et ça devrait être lancé le 12 avril. Donc ça, c'est les nouvelles cartes graphiques Nvidia qui devraient s'appeler, a priori, les 2070 et les 2080. Puisqu'on ne dit pas 1070, 1080, on dit 1080, 1070, normalement. C'est à cause d'Eric Hart, ça ou... Non, en fait, je pense que c'est juste Nvidia qui nous force à dire ça pour éviter de faire d'embrouiller les gens avec la résolution 1080. Voilà. Ah, c'est pas con. Bah, c'est tout. Heureusement que je suis dans le récap aujourd'hui. Ils veulent pas que les gens pensent qu'avec une 1080, tu vas afficher du 1080. Alors qu'en fait, avec une 1080, tu peux a priori faire de la 4K. Ah. Ouais, c'est pas con. Voilà. C'est pas con. C'est donc pas normalement, on dit une 1080. Voilà. Mais c'est vrai qu'en France, je crois que les Américains disent tous une 1080, tu vois.
1080. Mais nous, on a du mal à dire 1080, c'est pas trop dans notre délire. 360, tu vois. Ils disaient 360. Et ils disent 360, alors que c'est vrai. Ça, tu vois. C'est vrai, non mais... Après, nous, on dit des fois, enfin, à Fortnite, quand on fait des petites 3-6. Des petites 3-6, yeah. Non, c'est vrai que... C'est vrai. Bref, voilà, donc une nouvelle puce qui devrait alimenter les 2070 et les 2080, et une autre puce qui servira donc aux crypto-mineurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens se sont aperçus qu'il n'y avait rien de plus... de meilleur rapport qualité-prix Que les grosses cartes graphiques bien puissantes de chez Nvidia pour miner de la crypto-monnaie. Ouais. Du coup, au lieu de les vendre à des gamers, et du coup, alors, je vais dire une bêtise, mais en gros, les mecs, ils en font 10 000 pour les vendre à 10 000 gamers. En fait, ils en font 10 000, sauf qu'en fait, bah, elles sont achetées par 10 000 gamers plus 10 000 mecs qui font de la crypto-monnaie. Mmh. Mais du coup, bah, ils étaient en rupture de stock. Ouais. Du coup, bah, pour répondre à la demande, ils ont dû en faire plus. Et du coup, ça a augmenté les prix. Oui. Parce que du coup, les cartes graphiques Nvidia allaient plus chères parce qu'elles étaient trop demandées. L'offre à la demande, hein, classique. Et donc, du coup, pour répondre à cette demande, bah, ils vont faire des puces exprès qui sont pensées de base pour miner au mieux les crypto-monnaies. Okay. Moi, j'ai une question. Une question de con, parce que je suis con. C'est parce que, comment dire, l'image de miner de la crypto-monnaie, bien sûr, c'est pas vrai, c'est une image. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais avec, avec ta carte graphique pour miner de la, de la crypto-monnaie ? Je suis pas un grand spécialiste, mais globalement, tu décodes un algorithme. En fait, ça. Tu décodes un algorithme. En gros, la crypto-monnaie, c'est un truc qui crypte genre, des données, j'en sais rien, tu vois. Et genre, en fait, ton PC, tu le laisses tourner pour que tout le temps il décrypte et crypte des trucs et qu'il l'envoie. Et en fait, ta carte graphique, elle va bourrer toute la journée, quoi. Et du coup, en quoi décrypter un algorithme te donne de la... Alors, si je dis pas de conneries, ouais, parce qu'en fait, la quantité de crypto-monnaies disponible est limitée. Et du coup, je crois qu'une fois que t'as terminé de décrypter entièrement le truc, eh bien, toute la monnaie disponible sera sur le marché. Et après, en gros, tu pourras faire des transactions, mais ça ne créera plus, ça n'amènera plus de nouvelles monnaies sur le marché. C'est comme des euros, par exemple, des euros, il y en a une certaine quantité qui circule. Ils ne peuvent pas juste comme ça, allez, tiens, vas-y, on crée 2 millions, on les met sur le marché. C'est hyper régulé. Bah, en gros, ça, l'idée, c'est pareil. C'est que je crois que les crypto-monnaies, en gros, plus tu avances dans le temps, plus c'est dur à miner et moins tu peux en créer, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tout sera créé, tu ne pourras plus en créer de nouveau. C'était très bien expliqué, mais je n'ai rien compris. C'est pas très clair dans ma tête non plus, je suis pas un spécialiste. Non, mais... Là pour le coup, il nous aurait fallu Sky autour de la table pour nous expliquer. Moi j'ai entendu ça. Une légende. Il y en a plein qui disent qu'en plus c'est pas du tout ça. Okay. Après, je me suis peut-être très mal exprimé. Moi j'ai entendu une légende une fois, et attention, c'est une légende d'un mec bourré dans un pub qui était en fait le fait de miner de la crypto-monnaie. En fait, c'est que tu rendais ton PC disponible à quelqu'un qui l'utilisait en fait ta carte graphique pour faire des trucs. Mais à mon avis, c'était sans doute. Il y avait peut-être 3 ou 4 pintes de trop dans l'équation. Il n'y aurait pas grand monde qui mais... le fait dans ce cas-là. Mais voilà. Non, mais moi, je ne sais pas. J'irai faire des quand recherches. Quand les banques font de la merde, ils refont tranquillement des euros. Non, mais là, vous pouvez troller autant que vous voulez. La vérité, c'est que les monnaies, elles sont régulées, les gars. Ah, mais la Banque Centrale Européenne, gros. Oui, mais ils n'en créent pas comme ils veulent. C'est soumis. T'as des mecs qui se réunissent, ils sont en mode. C'est la merde. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut rajouter de la monnaie ? Et c'est pas juste au bon vouloir. Sinon, je suis le boss de la Banque Centrale. Je fais, bah, moi, je vais créer 1 milliard, puis je vais les mettre sur mon compte. Tu les imprimes, oui, tu te fous les billets. Et pourquoi ils ne le font pas ? Et parce que ça niquerait l'économie. Oui, ça baisserait la valeur de la monnaie. Voilà, exactement. Bah voilà. Ok, on est tous les deux d'accord. Deux mecs bourrés dans un bar, ils sont là. Non, mais ferme ta gueule et tout. Ils disent la même chose. C'est fantastique. Ça. Mais si t'en crées trop, ça baisse la valeur de la monnaie. Bon, bref, voilà, allons-y. C'était pour Nvidia, tout ça. Il y a quelques fuites apparemment d'un nouvel écran iPhone. Alors, j'ai pas les images de ces fuites, mais a priori, on aurait un écran plus grand qui coûterait moins cher. Donc, peut-être un iPhone qui repasserait sous la barre des 1000 euros l'année prochaine. Oh. Sous la barre des 1000 euros pour un écran plus grand. C'est vraiment, vraiment. Mais qui pas serait cher. Le con d'acheter un iPhone à plus de 1000 euros de toute façon. Tu dis ça parce que t'en as un. Ben il a même acheté avant moi ce con. Justement, je sais pas, Xari, si t'as vu, mais normalement, Xiaomi va sortir une boutique à
Paris, en France, je ne sais plus exactement. Je ne sais pas si tu es au courant. Toi qui es aficionados de... Bon courant. Aficionados. Aficionados, yeah. C'est un mec qui est fan. Je m'emmerde, putain. Maintenant, je ne fais que des mots d'une syllabe. Je n'étais pas au courant, mais oui. j'ai commandé l'autocuiseur riz Xiaomi là, qui arrive bientôt. Okay. Non, mais mec prend des actions. Non, mais en gros, vraiment, c'est une bonne nouvelle pour c'est ça. C'est que ça aurait pu être vrai. Non, je n'ai pas acheté ça. Moi, ça aurait pu être vrai, vu que tu voulais changer ta diète et tout. Moi, je pensais que c'était vrai. Sans déconner, il y a sûrement un autocuiseur Xiaomi. Oui. Non, mais il y en a un, oui. Et puis tu fais, ok, Google, cuis-moi mon riz. Je connais, mais juste qu'il coûte 70 balles. Très bien. Mais ça existe. Hein. Il faudrait mais mettre ça existe. Un autocuiseur de riz Xiaomi, un vélo Xiaomi aussi. Des après, chaussures tu es une femme. Donc le petit jeu de mots de numerama.com. Toi, tu vas pas me dire souvent, toi. Ceci est une révolution. Lol. Xiaomi présente le Midia, un autocuiseur connecté. Ah ouais, ouais. Incroyable. Donc, tout oui, est connecté. Il y a bien un autocuiseur Xiaomi. Les chaussures connectées aussi, frère, il y a tout. Bah mais ça se trouve c'est trop bien. C'est bien, ouais. Faut que t'en parles dans ces cas-là, c'est important. Bref, ouais, voilà. Est-ce que vous kiffez Westworld? Est-ce que vous savez ce que c'est déjà? La série, je sais qu'il y a la saison 2 qui arrive, mais moi j'ai grave kiffé, c'est tout. Ok, donc c'est une série, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui regardent, c'est une série où, en gros, on est dans un monde fictif, hein, évidemment, dans lequel existent des robots extrêmement développés avec des IA extrêmement développées. Et en fait, on s'en sert... À quoi ? Eh bien, on crée un parc d'attractions avec le thème western. Et en fait, dans ce parc d'attractions, on met des robots qui vont vivre une routine. Et toi, en fait, tu rentres dans ce parc et tu vas un peu perturber leur routine. Du coup, tu vas te balader. Et puis, il y a une nana qui va venir te voir, qui va faire tomber un truc. Tu vas ramasser le machin. Elle va faire « Oh, merci beaucoup, vous êtes gentil et tout. » Et puis, en fait, une heure après, tu en te baladant toujours dans le parc, tu vas la recroiser. Et puis, tu vas lui sauver la vie parce qu'évidemment, tu es un cow-boy dans ce truc. Et puis, tu vas tuer un méchant. Et du coup, elle va dire ah, « bah, je vous invite à manger, machin. » Puis après, tu vas la baiser dans la grange, etc., etc. Tout ça, c'est l'univers un peu de Westworld où tu peux te prendre pour un héros alors que t'es une grosse merde parce que les robots ne peuvent pas te faire de mal, mais que toi, tu peux les détruire, tu peux les violer, tu peux les tuer, tu peux les tabasser autant que tu veux. Ils ne te diront jamais rien. Ces deux robots, ils sont là. Oui, vas-y, frappe-moi, il n'y a pas de souci. Et du coup, tout le délire de Westworld, c'est que les créateurs, ils créent des scénarios dans les robots. Ils disent, bah, toi, ta vie, ça va être ça, machin, toi, ta vie, ça va être ça, et tu vas interagir avec les humains de telle et telle manière. C'est une série vachement sympa dans laquelle il se passe plein de trucs avec des retournements de situation, machin. Il y a la saison 2 qui arrive bientôt. Et pour faire la publicité de la saison 2, qu'est-ce qu'ils ont fait HBO? HBO, ils sont bons en... Ils ont mis des robots ils ont dans fait la ville. Une association avec Twitch Prime, peut-être. On va en parler après, ça. Twitch Prime. Connaissez-vous Twitch Prime? N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Trop tard, ils sont déjà à Boagota. Désolé, c'est terminé. Donc du coup, non, c'est pas sur Twitch Prime. Par contre, t'étais pas loin quand tu disais, ils vont mettre des robots. Ils ont dû faire le truc, mais ils l'ont refait dans la vraie vie, quoi. Non. Oui, c'est une bonne réponse ici de Nameless. Comment on appelle ça ils ont fait un flash mob avec des robots. Non, ils ont fait. Il a donné la réponse, donc t'as forcément tort. Là, je voulais compléter, t'as dit c'est presque ça. Non, t'as dit c'est ça. Excuse-toi, mais non. Mais tu veux qu'on aille dehors? Moi, si c'est beau. Bon, Westworld, du coup, ils vont le recréer en version IRL, c'est-à-dire qu'ils vont créer un parc qui ne durera que 3 jours et dans lequel tu rentres dedans et t'es mis en pleine liberté, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux, t'as pas un parcours imposé, c'est juste tu te balades dans un truc qu'ils ont préconçu, sauf qu'il n'y a pas des robots assez développés, donc du coup ils vont prendre des vrais acteurs. Évidemment, ah bah, du coup, il y aura quelques meurtres. Il va dire, tu pourras baiser, tu pourras, les violer, tu pourras les tuer. Énorme. Non, évidemment, on va pas faire ça, mais en tout cas, tu pourras interagir avec eux sur tous les trucs Lego. Ce sera un parc à thème, quoi. Bah ouais, mais du coup, ça, c'est complètement l'inverse que ce que propose Westworld. Justement, Westworld, c'est calmer tes pulsions pour faire tout ce qui est illégal dans le vrai monde ailleurs. Je sais. Bah, du coup, ça n'a aucun intérêt. Leur truc de com, c'est de dire, immergez-vous dans le monde de Westworld. On crée un parc qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Westworld avec des villes qui sont dans Westworld, que vous allez pouvoir revoir, visiter, rentrer dans le saloon. Bon, c'est pour se mettre dans c'est l'ambiance. C'est une exposition, quoi. Donc voilà, c'est un peu une exposition. Par contre, non, vous ne pourrez ni tuer ni violer. Désolé. Après, c'est le principe d'un film de cul, quoi. Genre, tu peux juste regarder, pas toucher, quoi. Bah là, tu pourras toucher si tu veux, mais avec le consentement de l'acteur en face de toi, quoi. Juste. Ouais. Bon, tu pourras pas, quoi. Si tu pourras pas, l'alcool, exactement. Si y a de l'alcool, ouais, en vrai, si y a de l'alcool, ça va, quoi. Il y en a peut-être, j'en ai aucune idée. Bref, apparemment, il y aura un nouveau Men in Black qui va arriver. Non. Écoute, si. Avec quel acteur? C'est justement ce que j'allais dire. Avec quel acteur? Alors, faites vos propositions, parce qu'apparemment, il y a un acteur qui serait très intéressé, et ça pourrait être lui. Jean Dujardin? Vieux, jeune? Kev Adams?
Non. Américain. Vieux jeune, non. Non, c'est un... Américain, français. Alors, il est jeune Chris et Pratt. Il est un peu au sommet de sa gloire. Chris Pratt. Non. Le beau gosse qui fait High School Musical. Non. Zac Efron. C'est pas Zac Efron, c'est pas Chris Pratt. Daniel Radcliffe. Non. Ah mais non, au sommet de sa gloire en gros. Ouais, bah, y a Zorro, le gars qui a joué Spider-Man là. Ah, Dwayne Johnson. Non. Non. Non, mais il est jeune, pas du tout jeune, dit... frère. Ah, après, jeune, Dwayne Johnson, que... il est vieux. Quoi. Mais c'est gros, Dwayne Johnson, il est tout à la fois. Non, non, il est jeune au sommet de sa gloire, Kev. Non, c'est pas... il est américain. Attends. Non, il est... Je vois pas qui ça peut être d'autre. Australien. Du coup, on va regarder. Ah, bah c'est Liam Hemsworth. Ou son frère. C'est son frère, c'est Chris. Ok, donc Chris, bah du coup, pas jeune. C'est qui? Il a ouais, grandi, pas jeune. Non, mais pas jeune selon Hollywood. Moi, tu dis jeune, je m'attends à un ado, quoi. Mais il a quoi? Il a 30 ans, quoi. Bah, je crois il a 40. Quoi? Chris Hemsworth, il a 30 ans? Il a 40 ans. Je sais pas, il a une grosse beubarde. Bah oui, bah, excuse-moi, d'accord, je suis mal d'être vieux. Alors, attends, Chris Hemsworth, il a 34 ans. Ouais, bah voilà, 40. Ah, c'est le mec qui fait Thor, ok. Je savais pas qui c'était. Ouais, c'est le mec qui fait Thor, effectivement. Et du coup, ça pourrait être le héros du prochain Men in Black. Voilà. Pas beaucoup plus d'infos pour le moment, mais mieux ça pourrait être long. Sympa. On verra bien. Bref. On enchaîne avec Overwatch. Ah, bon, vous avez vu le nouveau perso d'Overwatch? Brigitte. Brigitte. Oui, Brigitte. D'ailleurs, tu peux trouver le trailer. Je l'ai pas mis dans le truc. Il y a un trailer qui est sorti sur la chaîne de Blizzard. Voilà, tu cherches Overwatch Brigitte, tu as trouvé le trailer très vite. Brigitte, qui est le nom de ma maman, que je salue, je fais un gros bisou. Et du coup, c'est rigolo de voir un héros de jeu vidéo qui a le nom de ma maman, c'est tout, ça n'intéresse personne. Et moi, ça m'éclate. Là, il va y avoir plein de vannes, genre, ouais, regarde, j'ai enculé ta mère et tout, du coup, sur... tu vois, là, t'es le pire move ce que t'as fait, là. Non, moi, je t'ai dit ça, mais... Là, c'est fini pour toi. Là, tu vois que lui, il était sur WoW et qu'il était là, peste ta mère. Je vois que... Bien joué, tu viens une fois et... Ah, c'est Brigitte, apparemment. Ah, c'est Brigitte. Je sais pas, j'ai juste lu... Pourquoi? Ah non, mais c'est Brigitte. Non, mais c'est un jeu de mots. C'est... Ouais, je comprends pas le jeu de mots. Moi, je suis con, alors... Normalement, c'est Birgitte, le jeu. Birgitte, j'aurais compris, mais Brigitte... Ah, ça se dit Brigitte, mais ça s'écrit Brigitte. Non, mais c'est juste la prononciation américaine de Brigitte, niquez vos mères. Mais du coup, dans le jeu, c'est une Française ou pas? Parce qu'il y a des nationalités dans le jeu. Bah, c'est une excellente question, gros. Comment elle s'appelle déjà? La snipeuse, elle est française, non? Fatale. Ouais. Widow, je sais pas. Oui, elle est française. Ouais, je crois elle est française. Ouais, attends, c'est une developer update. Normalement, t'as un truc qui s'appelle Brigitte Origin Story. Non, regarde sur Twitter. Tu veux que je te mette le lien? Je te mets le lien, gros. Y a pas de sous, je te mets le lien. Vas-y, tu vas dans jeudi, tu vas dans news. Suédoise, ils disent. Et bon. Y a suédoise, ah oui, aucun rapport du coup. Bah, voilà. Elle s'appelle Brigitte les Suédoises? Bah bon, peut-être. Mais alors, que la mère de Max, elle s'appelle Brigitte, quoi. Brigitte, donc, Oui, mais après, c'est une grande blonde, donc il y a peut-être un truc que je sais pas, tu vois. Non, ma tante s'appelle Brigitte aussi. Voilà, on s'en branle. Oui, c'est vrai qu'on s'en branle pas mal. Hein. Par contre, c'est joli. Hein. Et apparemment, c'est la fille de Thorbjorn. Un mec qui a dit ça. Ah, c'est la prononciation suédoise. Ah ouais, Thorbjorn et... Quoi, ce petit est gros. Tu peux monter le son ou pas, David? Bon, son stuff, ça a l'air d'être un paladin. Tu vois. Genre, elle a une masse. Elle sera une support, je crois. Ouais. Bah voilà, elle heal. It's not enough to wait until the battle is over to fix their armor and bandage their wounds. If you can fight at their side, you can try to keep the blows from falling and maybe even protect them from themselves. I am Brigitte Lindholm and I will be their shield. Ah, Yann Brigitte. Et c'est pas parce qu'elle dit. En fait, les gens dans le chat, ils me font craquer. T'sais. Genre, c'est pas parce qu'elle dit Brigitte dans le trailer que faut le dire comme ça en français. Bah. Pourquoi? Attends, je suis en train de chercher un truc. Ouais, on cherche tous un exemple. En vrai, si, non? Bah. J'en sais rien. Ça s'écrit exactement comme le nom Brigitte en français et qu'on prononce tous Brigitte. Pourquoi? Bah, y a pas de U, quoi. Attends. Mardi, dans le récap ciné, il y a Johan quand même qui a quand même fait une chronique. Comment on... Oui, mais c'était de l'humour. Ah, c'était de l'humour. Et puis à surtout, moitié, quoi. Tu connais le nom Gienal, du coup, en français, ça n'existe pas. Hein? Donc ça me va qu'on m'apprenne la prononciation d'un mot qui n'existe pas en français. Oui. Mais quand c'est un truc qui existe oui, en français. Mais est-ce que tu sais si Brigitte à la base c'est suédois ou français? Tu le sais pas. Mais peu importe. La question est. Bah ouais, origine. Brigitte. Origine du prénom Brigitte. Donc, à chaque fois qu'un Américain va dire non, c'est chien du jardin, alors... tu dis non, c'est du jardin, enculé. Ah, c'est origine celtique. Oui. De Brigitte. Il y a quelqu'un de... dans le chat qui a dit tu dis Brigantia. Nike, panic, sauf que Nike, ça se prononce Nike. Donc, c'est donc déjà. Très mauvais exemple. Et pourtant, tout le monde dit Nike. Bah ouais.
Non, bah, c'est un tableau dans qui Google Chrome, dans le Google Translate. Google, ouais. Tableau dans Translate. Qui disent, c'est allemand, non, c'est gallois. Non, alors c'est marqué celtique. Moi, je vous propose un truc et je vous propose de faire ça sur plein de jeux, dans plein de licences, en plein de trucs. Faites comme vous voulez, en vrai. Mais détectez la langue déjà. Pas. Là, dans la VF, elle dit Brigitte aussi. Bon, bah, ok. Ah ouais? Bah, je sais pas, apparemment. Après, dis le chat. Tu peux nous mettre le trailer en VF, gros? Si tu le trouves. Oh là là, il me casse les couilles, celui-là. Attends, quoi, t'as fait? Attends, oh, c'est insupportable, hein. J'avoue qu'on c'est suédois. On dit pas Tracer, on dit Tracé, quoi. Oui, mais ce nom n'existe pas en français. Bah si, Tracé. Bah Tracé, c'est un vrai truc, hein. Brigitte. Non, mais Brigitte. Ferme-moi, hein. Ok, peut-être. Alors. Allez, on se remet le trailer, let's go. Non, mais juste la mais fin. La fin oui. Non, bah non. Mais non. Remets en français, parce qu'il y a des gens qui ont pas compris. Dans les récits, les héros récoltent l'honneur et la gloire. Et bah ouais. Mais leur armure polie, leurs puissantes armes, ça devient horrible. Ceux qui les ont fabriqués sont eux aussi des héros à part entière. Et ouais, ça on sait pas. Et j'avais décidé de suivre cette voie. Putain, bien ouais, je wesh. Mais les outils ne peuvent résoudre tous les problèmes. Certaines choses sont impossibles à réparer. Sa voix est ferme, c'est un peu vieille. Attendre la fin des combats pour réparer les armures et panser les plaies, ce n'est pas suffisant. Si vous pouvez combattre aux côtés des héros, vous pouvez tenter de parer les coups. Et peut-être aussi les protéger d'eux-mêmes. Je m'appelle Brigitte Lindholm. Okay, et je tort. Serai leur bouclier. J'ai tort. Je m'appelle Brigitte. Putain, c'est moche. Elle s'appelle Brigitte. Bah du coup, laisser ma mère en dehors de ça, ça n'a rien à voir. Ma mère est bien mieux que cette femme, cette pindèche. On passe bon, quand même support du coup, ça fait plaisir à qui joue encore à ce jeu de toute façon. Mikalo, il vient de repasser quand même. Il a mis une petite vidéo en mode je m'impose en grandmaster alors qu'il perd. Donc, bon, ah, j'ai pas vu moi. Non mais quand tu dis il y joue, je veux dire sur 10 vidéos, il y en a 9 de Fortnite et une d'Overwatch, quoi, j'appelle pas ça. Oui, mais bon, bah, bon, quand t'es encore master, c'est que tu joues un peu quoi. Ok, d'accord. Ouais, mais après, Mikalo est fort à tout, je dirais. Non, mais le mec, tu lui mets un jeu auquel il a jamais joué, il t'encule en une seconde. Donc, rien à voir. Quand même, il jouerait pas au jeu, il est fort. C'est pas du tout la question. Après, il rien à voir. C'est juste que quand t'es en grand master, si tu joues pas, tu descends. À ma gauche, ça rage un peu, t'as dit quoi? Je joue que Reinhardt, donc bon. C'est pas mérité? Non, c'était très bien de rester derrière un bouclier, de ne rien foutre. Hein. Moi, je critique pas. Non, j'étais quand même tous les joueurs derrière l'air, de faire lâcher, gros. Ça parle très très mal. Non, non. Très bien, très bien. Quentin Tarantino, ça vous parle? Oui, évidemment. Son prochain par contre, film. C'est Quentin. Oh putain. Désolé. Donc, bref, Tarantino, donc, qui est sur son prochain film. On le sait, gros. Gros budget, évidemment, gros casting. On savait déjà qu'il y avait Leonardo DiCaprio. Eh bien, on a aujourd'hui la confirmation que Brad Pitt rejoint lui aussi le casting. Super. Ça commence à faire un film assez solide. Voilà, c'est on cher. Attend d'avoir la totalité du casting, mais pour le moment, ça sent très très bon, quoi. Voilà. Il y a Ralph 2 qui devrait arriver également. Est-ce que vous vous souvenez de Ralph 1 déjà? C'est avec le long museau là. Alors, Ralph, aucun rapport. Je te mets la bande-annonce. C'est Ralph, le monde perdu là. C'est le deuxième lien que je te mets dans le truc de news. Ouais. Ralph, c'est Ralph, les mondes perdus. Oui, c'est ça. C'est un truc un d'animation. Dessin animé de merde quoi. Où en gros, t'avais un mec qui rentre dans différents jeux pour les réparer. Et puis au bout d'un moment, ça devient un héros quoi. Voilà, tout simplement. D'où les mondes de Ralph. Et ben, ils sont en train de faire un deuxième. Et il y a une première bande-annonce qui vient de sortir. Très bien, nous allons nous connecter. Non. Wi-Fi. Wi-Fi. C'est quoi Wi-Fi? Ça veut dire allons-y. Et nous? Ah, c'est vrai que lui il casse, il répare pas. En ligne. C'est juste un méchant. Justement, il en a marre d'être méchant. Oui. C'est un méchant. Oh, cool. C'était le méchant de Fixit machin. C'est Wi-Fi ou Otan? Attends, mais c'est la voix de l'ado dans Les Indestructibles, elle. Et en route vers l'Internet. Oui, c'est vrai. Et c'est la meuf qui a fait une des voix de l'épopée temporelle de... C'est quoi l'Internet? Ah, cool. C'est la voix de Tracer. Oui, j'allais le dire. Ouais. Regarde-moi tous ces machins. En même temps, sa voix est tellement cool. Félicitations, vous êtes les grands gagnants. C'est vrai? Ces 6 enfants savent que la prison de numéro 6 va vous surprendre. C'est très intéressant. Ralph, amène-toi. Est-ce que c'est pas une voix dans il voix des bras. Mesdames et messieurs, voici le lot suivant, une toile sur velours noir d'un chaton dépressif.
Oh non. J'ai l'impression qu'il me regarde avec ses yeux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que ses yeux qui te regardent. J'ai pas compris la blague. Il y a pas de blague en fait. Milkshake. À mon tour. Pancake. Milkshake. Milkshake. Ah, je comprends maintenant pourquoi tout le monde adore ce jeu-là. Ça détend. Milkshake. Regarde ce que j'ai trouvé. Encore plus de pancakes. J'accélère le mouvement. Pancake. 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 Mange. Mange mon lapin. Allez. 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 Ralph, tu voudrais pas en donner un peu au petit chat aussi? Non. Le petit chat, il mange les milkshakes. Le lapin, lui, il mange les pancakes. Oh. Ah, c'est rigolo, la merde. Ça va. C'est marrant. Bon, on verra quand ça sortira si c'est cool ou s'il y a juste une seule blague drôle dans tout le film, ce qui est également totalement possible. Voilà. Je vous propose qu'on passe tout de suite à autre chose et on va passer sur Hayley. Non, je veux dire sur sa chronique. Oh. Sur Hayley. Bam bam. Bam bam. Je suis désolé, c'était pas voulu. Non, mais c'est ok. Apparemment, il n'y a pas que dans cette bande-annonce que les vannes sont nulles. Oh, alors, c'est pas une vanne en plus, putain, j'ai pas fait. Let's go. Moi, je vais vous parler juste de 2-3 petits trucs de musique. Donc, ça va être assez rapide. Le premier, c'est une vidéo qui est parue aujourd'hui sur Combini de Craig David que j'ai trouvé ultra cool. Donc, tu peux mettre le tweet si tu le peux. David, s'il te plaît. Oui. On a basic flow, yeah. En gros, c'est Craig David qui fait un freestyle, selon le titre, hein, donc je ne sais pas si ça a été répété ou non, mais Craig David qui fait un freestyle sur la BO de, sur la bande-son de Basic, de Orelsan. Et du coup, Orelsan qui a retweeté le truc en disant « Putain, je suis un fanboy de Craig David, trop bien. » Et je trouvais ça cool. Voilà. C'est tout. C'est absolument tout, mais je trouvais ça giga cool, donc je l'ai montré. J'avais pas du tout reconnu la musique au départ. Il y a me trou du cul, hein, maybe. Voilà. Donc allez voir si jamais vous voulez regarder à la maison. Mais c'est, je trouve ça vraiment vraiment cool et c'est un concept que j'aime beaucoup. Donc je sais pas s'il y en a d'autres de Combini qui sont comme ça. Je crois. Ouais, il avait pas fait sur du Joule. C'était pas lui qui avait fait sur. Ah si, il y avait un mec qui avait fait et sur du Joule. C'était trop stylé. Sur du Joule. Je crois que c'était peut-être même. C'est lui, pas le mec qui fait Logan qui avait fait ça, je sais plus. Non, c'était un rappeur aussi américain, je crois. Et ah c'était bah non, trop. Bah ouais. C'était peut-être Logan Paul. T'as sûrement raison. C'est un. Bah, je sais plus. Je me souviens plus. C'était trop stylé. Non, en tout cas, c'est un truc de Combini qui est connu. Quoi. Enfin, ah, si, sur Wesh alors. C'est genre une ouais, chronique. Et quoi. C'était vraiment trop bien. Mais... Putain, ils sont forts chez Combini quand même. Hein. C'est une chronique de Combini. Ils ont, quoi. Ils ont le sens et de la com. Mais je trouvais ça cool, donc allez voir, vu qu'Orelsan l'a retweeté. Bah, attends, bah, on va voir celui de Joule du coup. C'est pas la seule fois où ça se fait la première fois que je vois des vidéos de Combini qui brasent. Ah, bah, c'est le principe. Il y a pas mal de trucs. Il y a les facettes de Combini qui sont vraiment cool. C'est leur leitmotiv. Ouais, leur c'est un commerce, quoi. C'est exactement ça, c'est leur leitmotiv. Ouais. On devait voir autre chose ou pas? Bah, j'attends de voir si, vu que Zoulou ou Xari peut-être a dit vas-y, mets celle de Joule. Ouais, de voir mais si David ça va en train de chercher tranquillement, mais entre temps, on peut peut-être parler. Travaille du un peu, David. Le pauvre David. On peut peut-être parler du hoodie de Nameless. J'essaie de te trouver ça. Qui vient de ta salle, c'est ça? Non, non, c'est acheté sur Asos. Ah, bah, nice. Ouais, même pas dire la marque. Petit prix? Je sais pas. C'est... Oui, je sais pas. De toute façon, tu regardes pas les prix. 30, 40 euros, peut-être. Non, non. T'as un iPhone. Non, mais. Du coup, c'était un mélange de quoi? Rien à voir. Ah, c'était Craig David remix Wesh alors. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, je pense. Bah, je crois que je l'ai, du coup. Tu vois celui-là? Je crois qu'il était mieux. Putain, le mec est chaud. Hein. Mais il est bon, hein. Alors. Lui, non. Alors. Wesh alors. Ta da 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 da. All my crew, you don't know how we're coming through. Bounce from the left and the right, and you know how I do, girl. Oh no, no, no. Flip the script, flip the script, I can. Oh girl, yeah, yeah. Flip the script, I can. Oh no, no, no. Flip the script, flip the script, I can. Mais Zulu, mais gros, il danse jamais en boîte, hein. C'est comme ça que t'as chopé ta meuf. Non, c'était en roulant avec des savates. Non, j'ai chopé ma meuf à une boum à 14 ans. Ah bah donc c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. T'as boum. Vas-y, comment t'as fait? Comment? Refais. Ouais, je sais plus. Mais c'était sur Ozone? Non, c'était. Ouais, t'as chopé même. Elle était même pas bourrée. Bah à 14 ans. Non, je déconne.
J'espère qu'elle était pas bourrée, quoi. Fini, quoi. Après, nous, on vient de Bretagne, moi. Ok, voilà, très bien. Bah, cool. Sympa de la part de Craig. Ouais, je trouvais ça cool. En deuxième, j'ai... Alors, quelque chose qui est pas très, très récent, mais tu peux mettre le premier tweet. Du coup, c'est Damso qui avait tweeté en début Dems. Février. Qui avait mis une petite vidéo. Juste ça, sans rien mettre de plus. Spock. Voilà. Donc dernier album ou peut-être pas, l'avenir nous le dira. Et du coup, il y a eu beaucoup de spéculations autour de ça. J'ai donc même de pas gens compris qui s'il avait dit. Bah, ouais. De gens qui se disaient, putain, est-ce que son troisième album, parce que du coup, il en a sorti deux qui vont être de gros succès, est-ce que son troisième album sera vraiment son dernier, etc. Non, ça peut pas faire et, ça. Et après ça, attends. Et après, il y a son graphiste qui a posté une photo sur Instagram il y a quelques semaines. Et il y a beaucoup de gens qui ont spéculé dessus. Donc alors, vas-y, je peux mettre. Voilà, il a juste posté ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont spéculé, et tu peux lire les commentaires. Attends, c'est un délire. Il a aussi mis un texte quand même. Ouais. Il y a écrit quoi, Xari? Ouais, je sais pas, je sais pas lire l'hébreu ou je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être du grec, non? Oui, peut-être du grec, idée. Mais. Mais voilà. Et en gros, en dessous, il y a écrit. Alors, il y a plein de petits symboles dans les colonnes en bas, et il y a un 2/3 et un 2018. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que demain, donc le 2 mars, il y aura une annonce à ce propos. Et voilà, et je trouvais ça cool. En fait, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est fan théorie et compagnie dans les films. Je trouve ça toujours ultra intéressant. Ouais. Mais on sait déjà ce qu'il va dire. De quoi? Demain, il annonce qu'il est là au le stream show barrière. Donc, j'espère que vous avez vos places. Il va faire un feat avec Broky. David, je sais pas si tu connais bien le truc, mais je sais pas du tout qui c'est Damso. Je préfère préciser. C'est un son genre le plus connu pour que je fasse. Ah oui, d'accord. Mais jamais avec Broky. Je danse dans mon cœur. Il va nous mettre un truc apparemment. Max, il a regardé. J'ai aucune idée. En gros, je sens que je vais détester, mais en gros, sur YouTube, quand tu mets Niska Rezo, après c'est Macarena de Damso. Ah, ça c'est moi Camoun. Et toi t'écoutes pas de rap non plus, du coup. Pourquoi tu connais? Ah bah oui. Toi t'aimes bien? Ah, j'aime bien. Ouais. Bah là c'est pas lui en l'occurrence, mais c'est pas chance. Là c'est traficanté à la parole. Au mic. C'est pas du traficanté. Mais c'est pas lui, hein, c'est toujours pas lui. Tu peux avancer bien à 2 minutes. Dams, c'est pas du tout le mec. Dams mon srab. Belle photo avec Jiraiya Sky. C'était drôle. Mais même Macarena en vrai, David. Hein. Je pense qu'il reprendra Macarena. Ah bah, il avait avancé dans la chanson. Ah, j'y crois, j'ai envie d'entendre. Je veux savoir quelle est cette personne. Ça va absolument pas te plaire. Mais ça commence très mal. Ah, mais ça va vraiment pas te plaire, c'est sud avance. Oh là là. T'as déjà entendu, c'est sûr. C'est la Macarena. Pour l'instant, là, ça te plaît, là. Le monde est à nous, le monde est à toi. Et moi. Mais peut-être que sans moi, le monde fera à toi. Et peut-être tu connais pas le monde fera à vous. Ah non, c'est tout ce non que mais fait, je m'en félicite. Oui. D'accord. Voilà. Attention, le refrain. Oh là là. En gros, si ça peut t'aider, c'est le petit protégé de Booba. Donc, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Ouais, après, tu vois, Booba, je connais deux noms et je suis pas capable de te citer un seul de ses sons. Damso, oui, non, mais de base, rien qu'en disant ça, ça fait déjà de base que t'allais pas aimer Nicolas. Et Damso est belge d'ailleurs. Oui. D'accord. Mais voilà. Et en gros, il y a beaucoup de spéculations autour de ça, autour de son prochain album et tout, parce qu'il a vraiment eu un gros succès. En gros, il a eu vraiment beaucoup de succès sur ses deux David premiers albums, dont le dernier qui a été. Tu nous mets un petit mètre là. Genre, il a été pendant longtemps en premier. T'es déjà bien. Non mais nous, ça ne part pas. On ne part pas sur un 150. Trop tard, il a lancé Xari là. Tu nous mets un petit Despacito parce que je crois que je connais pas trop. Et voilà. Et du coup, moi, je trouve ça cool. J'ai hâte de voir ce qui va se passer demain, s'il va se passer quelque chose. Et si vous voulez aller lire, oui, non, mais ça se trouve, il y a rien du tout. Hein. Mais si vous voulez aller voir sur l'Instagram en question, parce qu'il y a pas mal de fan théories dans les commentaires de gens qui ont analysé le truc. Maître. Genre, il y a un trait là, donc au-dessus, il y a des signes et compagnie. C'est comme l'hymne national là, ce qu'on entend. Donc, s'il vous plaît, main sur le cœur. Je sais même plus ce que j'aime plus la cassette. Parce que. Mais si, c'est 150. Mais l'Instagram. Mais on connaît ça, c'est Bouhérour, donc Bouhérour. Si vous voulez aller check et voir tout ce qu'il y a dessus. Pourquoi il s'appelle comme ça? Très bien. Je sais pas, c'est le nom du. C'est le graphiste. Ah, c'est le graphiste, je croyais que c'était son compte officiel. Non. Ok, d'accord. Non, Damso, lui, il a rien dit à propos de ça. Il a mis juste la vidéo là il y a un mois et c'est tout. Okay. Silence radio depuis. Et voilà. Et en dernier, je voulais vous parler d'un truc qui nous touche peut-être un petit peu plus. Tim Bess, c'était juste l'instant musique. Tu me fatigues. C'est un truc sur lequel je suis tombée tout à l'heure, juste pendant. Juste après l'émission en plateau et juste avant le récap. C'est une streameuse sur Twitch qui a fait un petit peu parler d'elle, qui fait parler d'elle depuis hier. Mmh. Bah tu peux mettre le tweet, David, et mets la vidéo. Ah, parce que je sais de quoi elle va parler. Et oui.
Non, donc c'est en anglais, il n'y a pas de... What's the worst thing you've ever done to somebody? On traduit après, écoutez. The worst? Yeah. I don't know. What about you, Aqua? What's the worst thing that you've ever done to somebody? Cam up in the tiny chat, by the way, when you're in. Yeah. What's Well, I used to work as a veterinary technician, so I once killed someone's dog. Oh! Glow up. On purpose? Yeah, but no one knew, because, you know. Oh my professional, God. But oh no! Okay. J'ai rien compris. Bah, donc en gros, il lui demande, ouais. C'est quoi le pire truc que tu aies fait à quelqu'un? Et elle répond, bah, j'étais assistante vétérinaire un moment et j'ai buté un animal, un chien, ouais, je crois. En gros, elle raconte qu'elle a bossé quand elle était étudiante, genre en tant que technicienne vétérinaire, donc je sais pas si... Enfin, je pense ça, que c'est assistante vétérinaire. Vétérinaire. Et qu'elle a tué un chien, parce que, en gros, parce que le propriétaire du chien était des cons, quoi, en gros. Et parce que quand il dit « unpurpose », c'est genre... t'as fait exprès, elle a choisi, quoi. C'est ça. Elle est là, genre, ouais, ouais, mais vu que je suis une professionnelle, personne n'a jamais rien su, en gros. Et sauf qu'elle a dit ça sur Twitch, et il y a énormément de gens qui ont sauvegardé, bah, dont l'utilisateur en question, oui, sur Twitter, qui ont fait un clip, qu'on sauvegardé le clip au cas où tout soit délai et compagnie, et qui depuis est en train de remuer ciel et terre pour retrouver la meuf, retrouver la clinique dans laquelle elle a bossé, essayer de trouver des trucs, enfin pour, en gros, que ça, ça aide. Va des... trop loin. Non, mais déjà pour vérifier si c'est vrai, je pense. Et ouais, bah, techniquement, c'est chaud, illégal. Enfin, c'est juste chaud, illégal ce qu'elle a fait. T'aimes pas des gens, tu tues des gens au pire, mais tu tues pas le chien, quoi. Non, au pire. Mais ouais, et du coup, mets le tweet, alors je sais pas si je te l'ai mis, scroll un petit peu, t'as un tweet avec une plage jaune pour montrer, là je me suis sentie comme sur 4chan, ouais, et Reddit où les gens pistent de ouf les gens. Descends, t'as une photo un moment ou avec un fond jaune, attention, sinon je te mets le lien direct si tu veux. Ok. Et en gros, il y a un mec qui a recherché et qui a trouvé la nana qui a un petit peu pisté dans quelle université elle était, donc où elle avait pu et bosser. Et du coup, il va balancer toutes ses informations. Ouais. En gros, là, elle est en mode, elle est en quatrième année à telle fac, machin. Jamais. Avec des gens à contacter. En fait, autres. C'est là que ça tombe, c'est juste. Oui, non, si tu veux qu'elle soit punie, tu la retrouves, que tu. Mais dis-le à la police. Le mets pas sur. Ça sert à quoi de le mettre en public, à part pour qu'un mec aille la taper dans la rue. Enfin, c'est naze. Ah, elle va recevoir des pizzas, quoi. Bah, gros, si je reçois des pizzas tous les jours parce que j'ai tué un clébard. Ah, mais tu les payes, hein, gros. Ouais, c'est ça que t'as pas compris. Ah, ouais, j'ai oublié ça. Lui, il est con. Il est pas gros. Bah, ouais, c'est gratuit. Bah, c'est une Kalashnikov vocale, moi, attention. Après, est-ce que si tu vas voir les flics direct, ouais, avec une histoire comme ça, est-ce qu'ils feront un truc? Peut-être pas. Peut-être que si ça prend des proportions. T'es obligé d'avoir des preuves. Non, mais si ça prend des proportions, justement, grosses, et ben là, les flics, pour calmer le jeu, ils sont obligés de faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, les réseaux sont utilisés pour ça, tu vois. Moi, je suis pas pour lâcher la meuf et lâcher ses infos, ça, ok. Mais par contre, le fait d'en parler et de retweeter le truc, je pense que c'est important. Mais après, non, Max n'est pas convaincu. Mais après, ça a quand même été relayé par le New York Post et compagnie, donc c'est en train de faire. Bah, évidemment, parce que mais eux, ils s'en carrent, ils veulent juste vendre du papier, donc tout ce qui peut choquer les gens. Vite, imprime surtout. Mais ce qui m'embête, c'est toujours la même chose. Oui, effectivement, c'est pas bien de buter des animaux, surtout si... Enfin, on n'a pas la connaissance de toute l'histoire, mais surtout que l'animal, a priori, il est pour rien, tu vois. Mais c'est surtout le côté où ça va évidemment aller trop loin. Si tu pouvais avoir confiance aux gens à ce qu'ils fassent une vraie justice à base de bah, « c'est pas bien ce que t'as fait, on a retrouvé ton nom, on le donne à la justice et ils vont faire ce qu'il faut. Bon, » ça, c'est le monde des bisounours, hein, mais... Ah, ok, ça me va, tu vois. Sauf que évidemment, ils vont aller trop loin, évidemment... Il y a des soi-disant protecteurs de la nature et des animaux. Je suis sûr qu'ils vont aller lui passer des coups de fil et qu'ils vont la menacer de mort. C'est sûr. Et c'est trop. Bah ouais, c'est trop. Bah voilà. C'est juste ça qui me gêne, en fait. C'est que c'est exactement comme tu dis une bêtise sur Twitter, comme je le fais tout le temps, tous les jours. Je dis plein de conneries. Et qu'un mec, au lieu de juste me répondre, va prendre mon tweet, le citer pour que bien toute sa communauté le voie et dire... Regardez ce gros bolos. Et du coup, toute sa communauté vient m'insulter. C'est trop. Réponds-moi, insulte-moi, dis-moi que j'ai tort. Mais pourquoi tu envoies les 600 personnes qui te suivent? Tu vois, c'est naze. C'est juste de la justice internet pourrave, tu vois. Juste, voilà. C'est ça que j'aime pas avec les gens qui font ça. C'est pour ça que j'aime pas le mec qui a relayé ça, parce que même si dans le fait, il a raison, ouais, prendre la vidéo, la mettre avec un texte hyper orienté, parce que du coup, il y a même des gens qui ne vont pas regarder la vidéo, ils vont juste lire le texte, ils vont retweeter en mode « Oh, c'est inacceptable !» et tu lâches ça comme ça sur les réseaux en texte, mode « Allez-y, défoncez-la !» Le texte, c'est juste le streamer, défendre, cette meuf-là, enfin, le texte met juste littéralement ce qu'elle a dit.
Ouais, ok, ok. Qu'elle admet avoir tué l'animal de quelqu'un quand il avait été amené pour des soins chez le vétérinaire. Elle dit trois phrases vite fait. Enfin, si ça se trouve, si tu lui demandes les détails de l'histoire, t'apprendras que bah, ça s'est pas exactement passé comme ça. Enfin, tu vois. Le problème de cette manière mais de faire, c'est que c'est pas de la justice. On attaque une meuf comme une chasse aux sorcières et elle ne peut rien faire pour se défendre. Attends. Ok, peut-être que en réalité, c'est peut-être pas passé comme ça et tout. Mais après, elle se vante d'avoir fait un truc aussi cruel que elle ça. Est tu vois. Débile. Elle est con. D'accord. Et c'est pas comme si elle avait dit j'ai volé un bonbon. Et autant je comprends vraiment ce que tu dis et je suis plutôt d'accord avec ça. Et franchement, je pense que t'as plutôt raison. Mais de l'autre côté. Il pourra jamais rien se passer. Enfin, je veux dire, tu vas au flic, comme l'a dit Nameless, ça m'étonnerait vraiment qu'il se passe un truc. Quoi. Enfin, je veux dire. De toute façon, là, le lynchage est trop tôt. Ils vont prendre ta plainte. Ils vont prendre ta plainte et ta plainte, ils vont la remettre à demain. Et demain, il va la remettre à jamais, comme dans Bref. Et voilà. Non, mais là, je pense juste ce que le gars voulait faire. À mon avis, ça a juste pris des proportions complètement démesurées, ce que le gars voulait faire. Après, je suis pas à sa place. Mais oui, mais après, tu peux pas contrôler Internet non plus. Tu vois ce que je veux dire? Je sais. Après, en l'occurrence. En gros, je critique juste les gens qui prennent ça, qui le lancent sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent que ça va... Tu vois en mode, regardez cette pute, insultez-la. Ouais, mais en même temps, quand tu fais quelque chose qui est illégal et censé être puni par la loi et que tu t'en vantes, faut pas non plus être étonné qu'il y ait des répercussions derrière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ce qui n'excuse pas les répercussions. Prends la vidéo et va à la police. Portée, mais... Oui, mais dans la vidéo, elle dit quoi? Elle dit, j'ai tué un chien. Il n'y a pas de contexte. En fait, si toi, t'as pas les pouvoirs de chercher et d'avoir la preuve, les flics vont pas le faire, là. Alors que là, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent la meuf, qui ont vu, savent, qui ont des preuves, et là, ça va faire bouger les choses. Mais du coup, je suis d'accord, mais pour moi, c'est pas le même problème, tu vois. Ça veut dire que t'as un problème avec cette nana, ok. T'as un problème avec la police qui ne fait pas son travail, ok. Mais du coup, tu fais pas ta loi toi-même. Tu peux pas dire ça non plus. Je dis pas qu'il faut pas leur travail. C'est juste que Tu dis que si tu rapportes un crime à la police, ils vont s'en foutre. Donc ils vont pas leur travail. J'ai pas dit ça. Je pense, d'ailleurs, je connais pas trop comment ça marche, mais je pense pas qu'ils aient l'effectif et le temps nécessaire, malheureusement. Et là, du coup, tu vas dire ils ont pas assez de flics, et du coup, c'est le président qui a lui pas assez de budget. Tu peux aller trop loin. Mais oui, on peut aller très très loin, je suis d'accord. Et c'est juste que. Mais tout ça n'est pas une raison pour faire ta justice toi-même. Et là, il n'y a pas de justice. Le problème, c'est les gens qui insultent. Point. Dans ces cas-là, les fautifs, c'est les gens qui insultent. Et tous les gens qui ont relayé, par contre, pour prévenir les autres gens et qui insultent pas, sont OK, tu vois. Et genre, soyez sages. Et peut-être le monde ira mieux. Mais ça reste dans un monde utopique, quoi. C'est très complexe. Le mec, il fait que balancer, à la limite. Mais il sait qu'en balançant, il y a des gens qui vont insulter. Bon, ça, à la limite, c'est supportable. À la limite, elle a dit une connerie, elle se fait insulter. C'est de la délation, en plus, après. Elle va se faire insulter pendant une semaine, elle va couper Twitter. Elle revient dans une semaine, tout le monde aura oublié. Ça s'appelle Twitter, quoi. Par contre, les mecs qui balancent ces infos privées sur le web, c'est terrible, quoi. Ces mecs, pour moi, ne valent pas mieux qu'elles, en fait. Mais ça, c'était pas ouf. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai déjà donné mon avis. Donc, Puisqu'on parle d'animaux, je veux bien rebondir sur un truc. Ouais. Vas-y. Quoi, une baleine ? Puisque j'y suis, allez, j'y vais jusqu'au bout. Une girafe ? Je sais pas si tu peux retrouver le tweet de Trinity où elle link une vidéo de. Bon, c'est des porcs qui sont évidemment maltraités avant de se faire bolosser pour qu'on puisse les manger. Voilà. Okay. Classique. Et puis, il y a ce côté outré parce que les porcs sont maltraités, machin. Et moi, je trouve qu'il y a un peu... Attention à ce que je vais dire. Oui, il a fait gaffe. Mais il y a un peu maltraitance et maltraitance. C'est-à-dire que, parce que c'est des petits porcs et qu'ils sont tout mignons, on s'insurge de les voir dans des zones très sombres, tout serrés les uns contre les autres. Vas-y, balance le truc. Non, mais laisse-moi finir mon argument. Tu pourras me dire que j'ai tort après. Par contre, la vidéo, ça peut être graphique, hein, non? Moi, je crois pas. Il me semble que c'est OK. Regardez pas si vous êtes sensible. C'est juste des porcs qui sont dans des conditions désastreuses. Et je ne valide pas ça. Mais j'avais deux points sur ça. Bon, mon premier point, c'est que du coup, est-ce que la solution, ce serait pas d'imposer... Est-ce qu'on est obligé de regarder toute la vidéo? Ah ouais, non, ouais, bah, on va l'enlever. On a compris, t'as expliqué. Vaut mieux choquer personne. Ça vous choque, ça? Non, peut-être... Ça choque pas, mais ça peut choquer pas des gens dans le chat. Ça peut peut-être choquer des gens, tu vois. Des gens qui viennent de lancer le stream à l'instant T, qui tombent sur ça, ils ont peut-être pas envie, tu vois. Enfin, je veux dire... Ouais, ok. Bon, chacun sa sensibilité. Ouais, t'as compris. Ouais, oui. Ça sent. Allez pas au supermarché, les gars, il y a des boucheries, attention. Hein. Et donc, du coup, bon, deux choses. Est-ce que, du coup, il suffirait pas d'imposer un bon traitement des animaux, ce qui, du coup, ferait que la viande coûterait beaucoup plus cher, parce que forcément, tu pourrais en faire beaucoup moins, ou en tout cas, le fait de s'en occuper ferait que ça coûte plus cher, parce que ça prend plus d'espace, etc. Du coup, comme ça coûte plus cher, on en mange moins. Du coup, on a moins besoin de les élever en batterie comme on le fait actuellement.
Et normalement, mais ça règle une partie du problème. Mais c'est déjà ça, chose faite. Il y a déjà des lois qui protègent de ça. On est sûr que c'est illégal, là, ce qu'on vient de voir ? C'est peut-être des mecs qui jouent avec la légalité, tu vois. Non, ce qui est illégal, je pense, c'est de les faire souffrir. Non, mais même là, si voir un porc qui est mort par terre, bon, il est mort par terre. Ça, c'est considéré comme de la souffrance. Non, mais c'est pas le fait qu'il soit mort par terre, c'est juste l'état dans lequel il est. C'est l'état d'hygiène, je pense, c'est illégal. Ça. Oui, c'est okay. Ça. Bah, je pense que là, les maladies, là, donc, au-delà après, de ça. Après, on n'y connaît rien. Après, c'est triste, tu vois, ça, je suis d'accord, mais là, peut-être même les maladies, tu sais pas. Il y a des tonnes de traitements derrière, ça doit aller. Deuxième truc. Tu dis ça comme si tu savais. T'es déjà tombé malade en achetant du jambon? Non mais je parle pas de ça. Je dis juste que là tu donnes des infos comme si t'étais sûr de ta. Ah non, je donne un avis. Vous avez complètement le droit de me dire que je pue la merde et que j'ai tort. Non mais je dis pas ça là. Je dis juste que il faut pas que tu donnes d'infos comme si t'étais sûr de ce que tu disais. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu dis il doit avoir des traitements donc ça va. Bah non en fait tu sais pas. Bah non mais je pars du principe que personne n'est jamais tombé malade en achetant une boîte de jambon Herta. Tu le sais jamais. Bah nous on est cinq quoi. Quand tu bouffes et que t'as la chiasse, tu vas pas forcément te plaindre, alors que ça peut être de ton jambon, tu vois. Mais tu vas pas appeler les autorités en disant « Ouais, j'ai bouffé du jambon, j'ai la chiasse ». Bah non, enfin, alors que ça peut être ça. Ok, d'accord, peut-être. Bon, le deuxième truc, c'est que moi, je trouve qu'on s'insurge un peu quand on veut. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, on est en mode « Ouais, c'est pas bien, les pauvres porcs, c'est inacceptable, blablabla, les mecs qui mangent de la viande, c'est des bâtards, machin. » À la fin de la vidéo, évidemment, c'est écrit un truc genre « Vive les véganes, machin. » Quand tu vois du poisson, le poisson, il barbote dans sa flotte, là, comme ça, tranquille. Il se fait choper par des filets. Ils sont 400 là-dedans. Ils sont balancés dans le bateau. Les mecs, pour que ce soit le plus frais possible, ils les ouvrent dans le bateau pour que, dès qu'ils arrivent au port, c'est mis en vente. Pose de soucis à personne. Pourquoi? Mais bien sûr que si. Tu vois jamais de vidéo en mode oh mon dieu. T'as jamais vu, les pauvres poissons. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas mignons. Non mais parce qu'ils sont morts. Je t'arrête tout de suite. T'as jamais vu de vidéo où les pêcheurs ils découpent les ailerons des requins? Ça me choque pas. Bah bien qu'on les bouffe. T'es en train de me dire? Il y a personne qui crie quand c'est des poissons. Bah je suis en train de te dire que les gens le voient, mais ils sont pas en mode faut arrêter de traiter les poissons comme ça. Déjà c'est pas du tout les mêmes conditions. Au pire le poisson il est pêché, s'il le tue direct. Ok, voilà, en fait, ce qui serait horrible, c'est les pêcheurs. En gros, une fois, j'étais pêché déjà, je peux même pas tuer un poisson tellement je dis ma mère. Je jure que c'est vrai, je pouvais même pas l'attraper, mais genre, j'avais des potes pêcheurs, gros, l'hameçon il est là, et le mec il lui arrache, là j'étais là, mais gros, tu peux pas faire ça, genre, enlève-le doucement, mais lui, t'as toute la mâchoire qui saute, t'es là, genre, ah ok, salut. Enfin, en fait, je sais pas. Mais pour moi c'est pareil, c'est je comprends forcément, ce que tu veux dire, forcément t'as l'impression c'est comme de le traiter un petit comme un humain. Non mais c'est comme un petit chat, oui, un petit chat c'est plus mignon, donc oui t'as tendance à avoir plus de compassion, mais comme des êtres humains, hein, je suis désolé, mais c'est pareil. Sûr, il y a un mec plus beau, bah, les gens vont avoir plus de compassion, c'est triste, mais bah c'est oui, nul. Clairement. Oui, t'as raison. C'est comme une araignée, tu vas l'écraser, t'en as rien à foutre toi, et ça se trouve, sauf qu'il y a des gens, il y a des gens qui respectent trop les animaux, tout ça, et pour eux c'est pareil, tu vois, et c'est sûr qu'il faut faire attention à... Mais je comprends, c'est juste que, bah je me trompe peut-être, mais moi j'avoue que, en général, quand tu vois les poissons, la manière dont c'est fait, tout le monde est en mode, oui, bon, bah, c'est comme ça. Tu vois. Mais tout le monde, là, en fait, quand après, tu dis tout le monde, c'est. Mais parce qu'il y a plein de reportages à la télé où tu vois des pêcheurs faire leur métier et ça ne choque pas. Ça ne fait pas un tollé sur Internet et tout, tu vois. Pourquoi? Parce qu'un poisson, en fait, c'est moche. Oui, mais la différence aussi, c'est que les poissons, ils sont très souvent vendus entiers. Ou en tout cas, moi, je suis juste pas d'accord avec toi dans le sens où tu dis tout le monde comme si tu le savais en fait. Non, tu sais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que tu vois des. Alors, je vais pas dire à chaque fois. La plupart du temps, quand tu vois des vidéos où les gens s'insurgent de la traite animale, c'est des porcs, c'est des poulets, non, c'est. Non. Voilà. Mais ça peut. C'est pas parce que c'est plus graphique de montrer ça que les gens s'insurgent pas forcément regarde, avec les j'ai autres vidéo, animaux. Par exemple, j'ai vu une vidéo cette semaine, c'était des espèces de rats. Plus gros, une autre race, une autre espèce, qui était entassée dans des cages insalubres, pleines de fientes, machin, pour leur fourrure. C'est pas des trucs mignons, gros. Non, alors, ok, tu sais ce qui choque pas les gens avec le poisson? Moi, c'est que ça saigne pas. Même, regarde. Tu sais que tu le butes et ça, t'as pas du sang rouge qui coule. Machin. Regarde ton poisson, tu et le du pêches. Coup, ils sont en mode, bon, c'est pas grave. Il le tue, généralement, il les garde stockés peut-être quand ils sont morts. En fait, là, ce qui choque, c'est que le cochon, il y a des cochons vivants à côté des cochons morts. Il se fait bouffer par les vers. Il laisse les cadavres. En fait, c'est juste tout qui éclate. Mais c'est surtout genre, que lui, le c'est but, très triste de tuer des animaux. Le but de ce genre de truc, c'est de communiquer et de faire des actions pour moi. Donc, ils vont forcément prendre le truc qui choque le plus des gens. Et ils vont comparer les cochons à des chats, des machins, et dire en mode. Sauf que le truc, c'est que. C'est pas parce qu'ils font ça qu'ils s'insurgent pas de la souffrance d'autres animaux. C'est juste que ça parle c'est plus choquant de mettre un petit porc qui... Et ça veut pas dire qu'il est pas choqué parce que les poissons se font défoncer. Il y a même des spécistes, ils sont en mode, quand t'écrases un moustique, c'est chiant, tu vois, donc...
Donc pour vous, les gens s'insurgent pareil quand on bute des poissons ou quand on bute des porcs. Et du coup, c'est pas hypocrite de dire oh les pauvres porcs. Non, mais ceux qui font ce genre de campagne, ils s'insurgent contre tout. Mais eux, ils veulent sensibiliser. Ils montent des porcs parce que ça choque. Bah oui, ils veulent sensibiliser les mecs qui justement sont pas sensibles. Donc ils montrent ce qui choque le plus les gens. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Tu vois. Mais c'est juste que ceux qui de base carent de ça, oui, ils carent de tout. Ou alors ils sont pas cohérents quoi. Mais du coup, il y a des gens qui vont s'offusquer. En voyant ces images hyper visuelles. Il y a forcément des gens des porcs, qui. Alors que les poissons, ça leur fait rien. Tu vois. Bah, j'en sais rien, mais il y a forcément des gens qui se disent. Et qui se rendent compte en voyant ce genre de vidéo en mode ouais, ça me saoule finalement. Enfin, il y a forcément des gens qui sont devenus végétariens ou vegan ou j'en sais rien, qui l'ont fait parce qu'ils ont vu ce genre de vidéo. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'a fait parce que ça. Il y en a aussi qui sont en mode c'est pour l'écologie parce que. L'élevage, ça, c'est ce qui est le plus terrible pour le réchauffement climatique et tout et tout. Il y en a qui l'ont fait juste parce que c'est leur mode de vie. Il y en a qui ils bouffent que des fruits parce que voilà, c'est un régime. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de raisons, mais cette raison-là, c'est sûr qu'elle existe, quoi. Ok, ok. Donc, non, ça me va. J'avais deux idées en tête. J'ai voulu les dire. Vous êtes tous pas d'accord. Bon. Y a pas de problème, t'as le droit à la parole. C'est pas grave. Après, c'est pas qu'on est. Enfin, moi, non, t'as le droit de dire des conneries. En fait, c'est que quand j'ai vu le post de Trinity et que j'ai regardé la vidéo, je me suis dit. C'est trop facile, tu vois. Tu montes ça alors que. Alors, la première pensée que j'ai eue, c'était ouais, tu montes jamais des poissons qui se font bolosser parce que ça ne choque personne, tu vois. Et je trouvais ça pas juste, j'étais en mode ouais, vous gueulez quand ça vous arrange. Et t'as raison, je pense que c'est juste, comme il dit, c'est juste pour provoquer. En fait, ils utilisent le truc. Mais en fait, d'un côté, t'as raison, mais d'un côté, c'est surtout mieux, tant mieux pour la communauté. Tu vois. Mais attention, hein, je suis désolé, je réitère mon explication. Tu viens encore une fois de dire, vous montrez pas des poissons qui se font bolosser. Si. On en voit beaucoup moins souvent que. Mais si, les requins, les baleines qui se font chasser. Gros, c'est ça. Ça n'a rien à voir, gros. C'est des animaux qui sont en voie d'extinction et qui sont protégés. Ça n'a rien à voir avec des thons que tu pêches. Le fait de prendre les requins, couper leur aileron et de les relâcher et qu'ils meurent au fond de l'eau, ça n'a rien interdit. À voir avec le. Oui, c'est interdit, mais c'est surtout pour la cruauté de l'acte. Je ne change pas du fait que. C'est la cruauté de l'acte. Le fait de pêcher un requin juste pour son aileron, de lui couper son aileron et de le relâcher en sachant qu'il va die au fond de l'eau, machin. C'est un autre sujet, c'est pas pour le simple fait de la nourriture en fait, c'est ça. C'est que c'est pas un autre usage. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est un autre sujet. Mais juste quand tu utilises pour bouffer, ça devient tout de suite moins choquant pour moi parce que ce n'est pas de la bouffe gâchée. À la limite, quand tu coupes l'aileron d'un requin, garde-le, bute-le et bouffe-le. Tu vois, c'est vachement bon le requin en plus. Oui, bien sûr. Okay. Mais moi, ce que je pense aussi au niveau du ce que tu disais, la cochon versus poisson là. le truc aussi, c'est que le poisson, tu vas dans ton supermarché, tu vois des poissons à ton rayon poissonnerie, tu les vois en entier, tu les vois genre tout beau entre guillemets, alors que le cochon, t'as moins ce côté, ce rapport de c'est animal parce que tu le vois en tranche. Enfin, tu vois jamais un cochon entier, tu le vois jamais vivant. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le poisson, c'est beaucoup plus accessible. Enfin, tout le monde a déjà vu un poisson dans la mer ou quoi, alors que un cochon dans la vraie vie. Pas forcément. C'est peut-être plus compliqué d'accès si t'habites en ville et compagnie. Tu vois. Donc il y a peut-être ça aussi. Après, je sais pas. Ouais, voilà. Je me suis fait cette réflexion quand j'ai vu cette vidéo. Je me suis dit, tiens, bah, je vais en parler. Par contre, le fait de forcer tous les abattoirs à mieux traiter les animaux, quand je dis les forcer, je dis pas mettre des lois qui disent que. Genre, qu'ils doivent avoir tant d'espace entre eux, qu'ils doivent être nourris avec tel truc, qui. J'en sais rien, et qui doivent rester avec leur mère, balancer n'importe quelle loi à la con que vous voulez, je m'en bats les steaks. Moi, ça me touche pas. C'est le cas de le dire, je m'en bats les steaks, MDR. Quelle orvélie. Toujours est-il que. Donc, tu balances là, tu me fascines. Tu balances un milliard de lois à la con pour faire plaisir aux mecs qui veulent protéger les animaux. Et bah, du coup, derrière, la viande va tripler et puis personne va en bouffer et tout le monde sera est-ce content. Est-ce qu'il n'y en a pas déjà des lois en fait? Moi, je ne connais pas le sujet. Mais ce qui gêne dans tout ça, c'est juste qu'il y a des lobbies qui font pression pour que les lois n'évoluent pas, parce qu'il y a des mecs qui s'en mettent plein les poches et c'est tout le fond du problème. Tu vois. Ok, enfin, change de sujet, je pense qu'on va commencer à saouler les gens. Sinon, on parle de gluten. Je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire.
Et non, on parle du gluten et on est du pain, bah, toute la marchandise de la baguette derrière qui fait que. Après, le gluten, c'est pas très bon. Ah non, bah, bref, pas on va le pas gluten, parler de ça. Le pain, c'est pas très bon. Non, c'est parti en couille grave. Là. Attention, Xaris Statistique. Après, il y a le lait, en plus, le lait. Attends, le lait, ça sert à rien et c'est pas bon. Et on est quand même le lait, c'est quoi? Le lait, c'est quoi? C'est pour une vache. Le lait, c'est un autre animal, les amis. Attention. Le lait, c'est de la merde, on est d'accord. Là, ça fait des troubles intestinaux, après, ça fait des trous dans les intestins, après, ça fout le diabète. Ça fait des trous dans les intestins. Mec, tu parles du lait là. T'encules ta perméabilité de ton intestin en bouvant du lait. Ah ouais. Et le lait, mais pourquoi je suis vivant du coup? Je bois un litre et demi par jour. Ah oui, bah dis ça au gros fumeur qui après meurt 20 ans après. Pourquoi j'ai encore envie? Après il meurt au coup de la coin, il attend ça de gauche, comment moi j'ai un coup de poumon. Bah mais non, blesse bah, c'est pareil. Gros. Très bien, bah on en parlera quand j'aurai 60 ans, on verra si je tombe malade d'une surlactose. Moi j'avais entendu un truc, c'est que le lait de vache, il est fait pour, bah, pour la vache, pour son veau, pour que le veau prenne X kilos dans sa première année, tu vois. Et quand tu rapportes ça à un humain, bah, tu dis, mais bah, en fait, on boit tellement de trucs qui sont pas bons pour nous dans le lait de vache, ça, que. Oui, mais peut-être que tu manges aussi plein de merde. Hein, oh, oui, bah, oui, ça c'est sûr. Hein, regarde-moi. Sûr. Écoute, je pense que comme tout, c'est une question de quantité, quoi. Donc, oui, t'en juste abuses que... pas. Non, mais c'est juste que. Bon, après, j'avoue, vu que j'en bois un litre par jour, c'est juste que le lait de vache, ça sert à rien d'en boire, en fait. C'est juste que c'est ça le problème. On fait tellement de trucs qui servent à rien. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le lobby du lait, le lobby du lait, c'est trop bien, alors qu'en fait, ça pue la merde. Certes. Mais j'ai lu plein de trucs. Eh ben, je vous propose qu'on passe à la chronique de Xari, la Selec. Jingle. T'avais fini, elle est. Xari, dis-nous tout. Oui, aujourd'hui, de belles vidéos. Oui. On va parler de choses et d'autres, mais on va commencer par pas de vidéo, par évidemment la petite mage de Fortnite, puisqu'on va quand même en parler très rapidement, puisque c'est sur cette mage que l'on jouera. Samedi au show barrière, enfin que vous jouerez, je ne jouerai absolument pas, je serai caster wow. avec mes amis PA et Gigi. Jiraya, bien joué. Ce sera possible de juste m'afficher quand je saute, histoire qu'on me voit au moins dans la partie En parachute, tu veux dire? Ouais. Oui, on pourra le faire. T'inquiète, on te verra souvent en quatre pattes aussi. Très joli. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'ajout d'une nouvelle ville, est-ce que tu peux... Non, c'est vrai. J'ai mis une petite ville. Hein. J'ai mis dans la Select, j'ai mis un lien YouTube parce qu'elle était trop grosse la vidéo. Tu peux la prendre et la mettre à partir de 5 minutes juste pour avoir un petit fond. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu. Hein. Bon, ceux qui sont, je pense, fans de Fortnite, ils ont déjà vu ça. Mais voilà, on va en parler très rapidement. Donc, un nouveau spot tout au sud de la map qui s'appelle Lucky Landing, qui est le nouveau Tilted Tower pour l'instant. Mais ça va vite partir parce que c'est vraiment de la merde. C'est un truc un peu thème Nouvel An chinois. Donc là, si vous voulez faire votre corps de kill en solo, les gars, allez là et trouvez un pompe et puis... ah ouais, le kill landing. Et vous sortez de la ville avec 40 kills. Hein. Ensuite, on a un nouveau sniper, mais un petit peu différent, c'est le fusil de chasse. En fait, on pensait peut-être que ça allait être un pompe chasseur, en gros, la rareté du pompe chasseur améliorée. Et en fait, pas du tout, c'est un sniper sans lunettes. Donc en gros, quand tu vises dessus, ça zoome un petit peu et ça a le même bullet drop que le sniper classique. Donc voilà. C'est quoi les dégâts du coup? On a testé un peu l'arme. Je sais plus, je crois que ça fait 210 dans la tête. Je crois qu'Ozan que t'as testé tout à l'heure. Moi j'ai joué avec lui, mais j'ai pas joué la carabine. Ça one shot pas dans le corps, je crois, mais je suis pas sûr à 100%. Je vous j'ai pas check les stats. Mais c'est pas oufissime. Mais ça remplace un sniper quoi. En gros, ça remplace un sniper. Oui, ça fait office de quoi? Ça fait office de sniper quand on n'a pas. Puis, mais ça fera 2-3 vidéos YouTube encore. Et puis... Voilà, c'est ça. Quand tu mets un shot à 400 mètres avec. Voilà. C'est comme un deagle du coup, non? Non, pas du tout. Bah non, justement, c'est très précis. Non, c'est très précis le but d'une carabine. Normalement, c'est. D'accord. C'est très précis. Ah, le deagle est pas précis. De portée. Ah non, pas du tout. Okay. T'as pas une vidéo ça que j'arrivais pas à voir les jeux. Bah sûrement sur internet, mais je vous avoue que c'est pas non plus l'arme qui va changer la méta. 80 dans le corps apparemment. 80 dans le corps, voilà, donc ça one shot pas. C'est de la merde. Qu'est-ce qu'il y a eu comme petit changement? Il y a eu une augmentation des raretés des fusils d'assaut, des pistolets, des fusils à pompe. C'est-à-dire que quand vous chopez un fusil à pompe, vous avez plus de chances qu'il soit rare ou épique. Quand vous chopez un petit pistolet, vous avez plus de chances qu'il soit rare ou épique. Enfin, vert ou bleu, quoi. D'accord. Et quand vous chopez une AR à 3 coups, là, vous avez plus de chances qu'elle soit verte ou bleue. Tout simplement. En gros, les armes communes vont disparaître très très vite, quoi. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est en fait c'est trois, c'est surtout l'AR est faible pour et les le pistolet. En gros, tu le dis jamais en gris, mais quand t'as une AR bleue, enfin une AR 3 coups bleue, elle est ok, quoi. Donc, du coup, ils ont préféré augmenter. Pareil pour le fusil à pompe, il y en a partout, mais du coup, il y avait pas assez de pompes violets entre guillemets ou de pompes bleues, et du coup, ils ont augmenté un petit peu. Mais du coup, c'est le semi ou c'est le normal? Ouais, c'est le semi-auto. S'il y a aucune arme nulle,
Il n'y a plus l'intérêt d'avoir d'armes fortes. Non mais tu vois ce que je veux dire, ça diversifie le gameplay. Justement, non mais c'est juste que en gros là, en fait, y a pas qu'une méta, tu vois. En gros entre la Scar légendaire et la R3 coup, gros, il y a pas photo, tu vois. Mais si la R3 coup c'est une R3 coup bleue, tu vas avoir le choix entre une R3 coup bleue ou une R verte, tu vas peut-être choisir la R3 coup bleue, enfin tu vois ce que je veux dire. Alors qu'avant la R3 coup, elle doit sûrement être très très rarement jouée. Sinon qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu suppression à Snobby Shore de 13 emplacements de butin au sol, donc des trucs qui pop au sol, et 4 coffres. Suppression de ça à Snobby? Ouais, parce que Snobby en fait c'est un tout petit endroit avec 1 milliard de coffres, et il y en avait trop, donc c'était, du coup, pas mal pour c'était vraiment ultra fort pour certains trucs. Pareil à Tilted, ils ont enlevé 8 emplacements de butin et 4 coffres, le problème c'est qu'ils disent pas lesquels. Donc ça c'est très chiant parce qu'à Tilted, bah du coup on connaît les spots maintenant de coffres, sauf qu'on sait pas lesquels ont disparu, donc du coup à chaque fois que tu vas aller dans un spot de coffres... Je sais pas. Il y sera pas, mais tu diras, c'est peut-être la variance, c'est peut-être pas facile à enlever. Je crois que les gens vont plus ou moins partout maintenant et plus dans une ville, et du coup ils suppriment les loots ou... Peut-être. Les gens vont trop souvent à Tilted, du coup je pense qu'ils veulent essayer de les suppriment. Maintenant, avec les Z4 et tout, Tilted c'est pas non plus une scène. Bon, là on est en train de regarder son gameplay, c'est énorme. Et voilà, il n'y a pas eu grand chose insane, il y a eu quelques corrections de petits bugs. Et voilà, rien d'insane, mais bon, c'est la mise à jour, on va dire, hebdomadaire, bimensuelle. Ils n'ont pas nerfé les grenades. Ils n'ont pas nerfé les grenades. Et voilà, on espère que tout marchera très bien pour ce week-end. Ce week-end, d'ailleurs, c'est quoi ta team, Nameless? Elle n'a pas été annoncée, c'est... Si. Sky, Zank et Nems. Et Nems, le top 3 de la... Attends, Nems et Nameless en même temps? Nems, c'est vraiment pour casser les couilles aux casters, ça, hein. Bon, on dira si on meurt direct, on parlera pas de nous souvent. J'avoue, ça me paraît être un bon truc. J'ai rajouté aussi un petit tweet rapidos dans ma chronique, du coup. Pendant longtemps, je croyais que vous étiez la même personne. Tu peux, mais plein de gens. Hein. Je croyais que Nems, c'était juste un diminutif de Nameless. Quoi. Ah ouais, ouais. Pourtant, ils se ressemblent pas du tout. Mais non, mais c'est que je connaissais ni l'un ni l'autre. Et je croyais que quand j'entendais parler deux, j'étais en mode « ouais, c'est le mec, quoi ». J'avoue, il est grave con, lui, alors que moi... En plus, les deux, c'est des gens qui aimaient bien Skyhard, donc je suis en mode, ouais, c'est son pote. Ouais, voilà, puis, alors, les premières photos, là, ça pop un petit peu, les premières photos de la scène pour PUBG. Star Series. Vas-y, clique sur les photos, hein, parce que... $100,000 à gagner. J'avoue que la scène est pas mal. Bon, le jeu... La scène est cool. Attends, c'est les 100 joueurs, là, alignés? Les joueurs sont alignés, comme ça. Après, c'est beau, quand même. C'est plutôt stylé. C'est stylé, hein. Et il y a une écurie française, la Team Vitality dedans. Fort Victory. Il y a qui dedans? Les anciens AAA. Voilà. En vrai, la scène est cool. Après, ça me hype pas pour le jeu parce que voilà, mais bon. Ils avaient gagné le dernier tournoi à Vitality. D'accord. Ça reste sympa. Vrai, bon, allez, c'est cool. On va passer aux petites vidéos. Attends, tant que t'es sur Fortnite, je termine avec le fait que si vous êtes abonné Twitch Prime, vous abonnez à cette chaîne. C'est vrai. Alors, vous avez le droit à des petites icônes, des trucs de skin aussi. En fait, vous avez un parachute Fortnite. Non. Vous avez des tenues Fortnite et des trucs. Exact, au nombre de deux. Voilà, les trucs sont violet et gris. Et combien ils ont payé pour ça? Qui? Qui a payé? Enfin, je sais pas, personne n'a payé, frère. Personne n'a payé. Ils sont en mode bienvenue. Tu vois qui paye? Epic, ils sont en mode bienvenue. C'est un échange, c'est genre. Enfin, je sais pas s'il y a un échange de thunes. Ça se trouve, il y a une histoire de part, de je sais pas. On ne sait pas. Pour Amazon, ça va permettre de vendre des comptes Twitch Prime, enfin des comptes Amazon Prime. Mm-hmm. Pour Fortnite, ça va permettre de mettre leur jeu en avant. En vrai, je pense que les trucs Twitch Prime, il y avait eu le H1Z1, c'est les jeux qui buzzent un peu du moment. Ils essayent de faire un truc comme ça. Amazon, ils sont en mode. Et voilà quoi. Parce que là, après, je pense que ça demande du temps de dev. Donc c'est peut-être Amazon qui paye Epic pour sortir un skin. Parce que ça profite plus à Amazon qu'à Fortnite. Donc je pense que c'est peut-être à Twitch qui paye les développeurs pour développer des skins. En tout cas, bon, les skins Fortnite, c'est 20 balles. Là, pour 25 balles, t'as 3 skins, frère. T'inquiète. Ça dépend de la gueule du skin, c'est toujours pareil. Ça va. Regarde, j'ai acheté un dragon à 20 balles, je regrette. Hein, donc... il est ok, c'est un. Je vous mets l'image. Tu l'as pris juste pour ton tweet? C'est le quatrième lien que je te mets, mec. C'est un mec avec une cagoule. Mais c'est surtout que je l'ai acheté. Ah bah, il y en a qui l'ont déjà, regarde. Ils sont en train de le poster. Ils sont en train de mettre les petites emotes. Au moins le moins intéressant. Oui, non, mais il y en a un milliard qui l'ont. Tu noteras qu'ils ont mis une emote avec un petit zombie, histoire de pas oublier les gens qui jouent encore au PvE de Fortnite. Le PvE est pas mal. Hein. Là, il descend. Il est pas mal, mais il est trop facile. Il est pas très équilibré. Il faut savoir que je crois que Ninja, hier, du coup, quand c'est sorti, il a gagné 15 000 subs. Oh. Donc, peut-être un peu moins. Non, Gota, il a pris 3 000 subs aussi. Hein. Oh là là. Oui, j'ai regardé Gota, hier. Il a presque 9 000. Et Ninja, il a 70 000 subs. Donc. Pula, la tine quoi. C'est lui qui fait ça. Voilà, c'est pas mal. Et d'ailleurs. Tout ce pognon. Ah bah ouais, mais bah en même temps. Ouais, c'est mérité. Hein. C'est,
C'est Twitch Prime, quoi. C'est, connaissez-vous Twitch Prime, quoi, tu vois ce que je veux dire? Non, je trouve ça chouette. C'est juste que je trouverais ça bien que ce soit mieux réparti. Mais ah, c'est une... Mais non, mais je sais, c'est des c'est abonnements, on n'a pas le choix. Je dis juste que c'est dommage que tout aille à la même personne. C'est mais en même temps, c'est du fait que ce soit un truc Fortnite, tu vois. Enfin, je veux dire, non, mais je suis pas en train de dire, j'ai pas compris. Je suis en train de dire, je trouvais ça chouette que des plus petits streamers qui sont peut-être pas forcément beaucoup moins talentueux puissent profiter un peu de ces milliers d'euros. T'as plus son mot de passe ? C'est tout. Ouais, mais c'est le train de live, quoi. T'as envie d'être le sub de Ninja et pas le sub de trouducul.com, quoi, malheureusement. Après, si t'as envie. J'en ai rien à foutre d'être leur sub, mais ouais, ok. Non, mais toi. Oui. Après, alors, qui a acheté juste un compte Amazon Prime juste pour ça? Il y en a pas mal, hein, je pense. Ah, pour avoir le skin. S'ils ont pris autant de subs. Mais surtout que, gros, si t'as moins de 26 ans, je crois que c'est demi-tarif. Donc c'est genre 25 balles. C'est hyper rentable. Et c'est gratuit 6 mois. Ah non, merde, j'ai eu 26 ans. Plus c'est 25 balles en plus quand t'as moins de 25 ans. Le mec vient de se rendre compte qu'il a plus mais de 26 je te dis, ans. C'est surtout que les skins, les skins dans Fortnite coûtent trop cher. Ouais, genre c'est 15 à 20 balles le skin. Moi je trouve ça fou que le prix du skin soit plus cher que le prix du pass de combat qui moi je trouve ça très cher le prix du skin. Parce que mais je combat, trouve que le pass de combat pour le coup ils l'ont vraiment bien oui, fait. Oui, mais c'est toi. Le but. Ils te le font payer. Oui, c'est bien parce qu'après tu joues au jeu mais machin. Mais quand même, payer un truc 9,50€, ils t'en donnent 13€ en gros. Et ben c'est quand même. Non, mais ça c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ils ont juste pris vraiment le truc de... C'est ni plus ni moins que le modèle de Dota, quoi. Les skins sur Dota coûtent assez cher, surtout les plus beaux. Mais en fait, dès que t'as un pass de bataille qui sort, t'as 60 000 skins et ça te coûte 7 balles. En fait, le truc, c'est qu'il y a deux types de clients. Il y a des clients qui sont en mode... Putain, c'est chiant, j'ai pas envie de mettre des thunes dans le jeu. Ils achètent le pass de combat, ils sont trop contents, mais du coup, ils l'achètent tous parce que ça coûte que 10 balles. C'est ça. Et puis, il y a les mecs qui s'en battent les couilles, ils achètent tous les skins à 20 euros. Oui. Le jeu est bien, du coup, t'as envie d'y jouer. T'as le pass de combat qui donne plein de trucs. Du coup, tu achètes forcément parce que ça coûte rien et que ça donne plein de trucs. Bah, et comme t'as le pass de combat, bah, du coup, tu joues. Et quand tu joues beaucoup, bah, tu vas pas acheter tous les skins qui coûtent 25 balles, mais tu vas peut-être en acheter un. Et si tout le monde en achète un, oui, bah, les mecs. Mais imagine le mec qui ira. Tu vas te lasser au bout de 6 mois, tu vas en acheter un autre. Le mec qui ira comme moi, tu vois. Et ben du coup, il fait son pass de combat, il gagne 13 balles, il rachète un pass de combat, il regagne 13 balles, et du coup, après, il peut s'acheter un skin sans avoir rien payé au bout d'un an. Moi, j'avoue que c'est un an, mais. Oui, mais ils s'en foutent. Ouais. Et puis, ils ont gagné. Non, mais c'est très bien. C'est très bien, mais je veux dire que c'est. En vrai, je trouve. Ils gagnent sur pas... la masse. En vrai, c'est pas du. Et sur les trois baleines qui vont acheter tous les skins. Du vol, en règle générale. Après, achète pas de skins. Et puis, en plus, ce qui. En vrai, genre, les skins, je trouve ça pas worse, mais mec, acheter 2 euros une emote qui fait ça, il y a rien de mieux dans un jeu. Ouais, mais. Oh ouais, c'est trop drôle. Genre, rien que, tu vois, ça, c'est marrant. Oui, en fait, le truc, c'est que de toute façon, c'est de la reste de la consommation. Une fois que t'as acheté un truc, tu rachètes souvent un autre truc. Je sais pas, moi, j'ai acheté que le skin parce que j'avais la thune sur mon. Parce que j'ai pas mis. Enfin, tu sais, j'avais mis 10 euros, moi, au début, pour acheter le pass de combat, mais ils avaient filé de la thune le même jour, donc il me restait 10 euros. Et en fait, j'ai pas rajouté de thune depuis. Non, mais je suis d'accord. Depuis le truc. Et du coup, parce que toi, c'est juste que tu représentes une frange de la population qui fait très attention et qui va pas spécialement dépenser. Ouais, et à l'inverse, t'as des mecs, je veux pas citer de noms, mais t'as des mecs, ça leur pose aucun souci de lâcher 2000 balles dans le jeu pour avoir tous les après, skins. Après, tu vois, à l'inverse, H1Z1, tu vois, ils font des skins, tu vois, où tu peux payer, où t'as des caisses et tout, mais eux, ils ont fait payer leur jeu, c'est fils d'eux. Et en plus, ils l'ont vendu comme un mode survie alors qu'ils font que du BR. C'est ça, moi ça me choque pas sur Fortnite, donc, parce que le jeu est gratos, Fortnite donc gratuit, c'est ok. Tu vois, donc... Eh oui, c'est clair. Non, mais bien joué à eux, ils ont juste tout compris, je leur suce la queue et je leur serre la main en même temps, tu vois, genre vraiment bravo Epic. Des vidéos peut-être, Xari. Ouais, fais-nous rire. 78 143 subs pour Ninja qui est en train de, en train de live actuellement. Combien 78 000 78 000, voilà. Il gagne 3 dollars par sub. Ouais, 3 dollars par sub. Donc sub 21, faire... 210 000 dollars. Ouais, ouais. Quel calcul! Non, mais Zoulou, je sais que ça t'impressionne parce que t'as pas tous les jours. Par contre, ah, après, chaud, le problème, c'est que là, c'est bon, cool. Là, 200 000 balles par mois qui tombent comme ça. Il a 73 000 subs et tout, mais il a aussi 73 000 viewers d'ailleurs. C'est bon, mais, j'ai mes skins. C'est juste que. Putain, son chat. En fait, c'est même plus un. C'est, il fait de la télé, quoi. Genre, il peut. Oh, tu peux plus lire le chat. Il y a rien à lire. Après, surtout, y a peut-être surtout un... que c'est déjà en sub mode. Ouais. C'est sub mode, ouais. Oui, bah oui, c'est en sub mode, mais ils sont 70 000, donc frère. C'est déjà en sub mode, c'est trois fois plus actif que notre chat à nous. Ouais, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est pas dans la même cour, là. C'est dur de. Ça doit être tellement dur. T'as jamais de. En fait, même si tu veux faire un moment, imagine, tu veux faire un live genre chill où tu discutes avec ta commu, c'est impossible, frère. Ah bah oui, mais bon. T'es obligé de. Ah, le slow. Tu mets un slow une minute plus le sub mode. Non, mais même. Une minute, s'il y a 73 000 mecs et qu'il y a 40 000 mecs qui mettent un message, ça fait quand même 40 000 messages à la minute, frère. Enfin, tu sais ce que je veux dire. Non, mais dans les 70 000 viewers, il y a peut-être 35K déjà de subs à peine. Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, ça fait quand même beaucoup. Bref. Ouais, il peut plus. Mais bref. Il peut bref, plus. Bref. Ouais, d'accord, il peut plus. C'est bon, j'ai attends, mes skins. Hey, attends. Est-ce que sur Twitch, il n'y a pas un système où tu peux, tu sais, t'abo mensuellement
et un système où tu t'abos pour 3 mois et un système où tu t'abos pour 1 an. Ouais. Est-ce que tu peux pas faire un genre sub-mode avec les mecs qui, que les mecs qui sont abos pour 1 an, tu vois ? Je pense pas. Genre le sub d'or, tu vois. Si, je crois. Comme ça, tu peux parler que aux mecs qui ont lâché la blinde de thunes et qui te soutiennent pendant 1 an, tu vois. Si, je crois, c'est horrible parce que le mec qui a oublié de se réabo un mois, il doit être au fond de sa vie. Ouais, mais je veux dire, si lui, ça lui permet d'avoir un chat lisible avec lequel il peut avoir une vraie conversation. En vrai, ce qui se passe souvent pour ces streamers-là, même que ce soit pour le doc ou pour Shroud, en fait, la plupart du temps, quand ça va trop vite, ils se retrouvent avec tellement de donations qu'au final, ils interagissent avec les donations, tu vois. En fait, là, ah, mais du coup, du coup, tu mets le don minimum à 10 balles. Et non, mais ça, là, non, mais n'en rajoute pas non plus. Non, mais genre, si les mecs. Non, parce que des fois, j'ai vu des streamers, gros, leur stream, c'est de la lecture de dons. C'est insupportable, tu vois. Genre... Bah ouais. C'est bah, genre. Ah, merci. Ouais, j'avoue, t'as raison. Ouais, bah du coup, tu ne veux juste pas live, sur son live. Tu vois. Voilà, et du coup, pour ces gens qui, bah, par exemple, Zerator à ses débuts, c'était ça. C'était ding, 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 ding. Bon, quand tu lances, c'est normal, tu fais plaisir aux gens qui te lancent des noms. Mais du coup, au bout d'un moment, quand ça fait 1 an, 2 ans que tu es sur le marché et que, mais dans ces et cas-là, que ça tourne, bah, au bout d'un moment, tu augmentes le prix des dons pour baisser le nombre de messages. Comme ça, tu as un live regardable. Quoi. Après, sinon, tu peux très bien, si tu es bon streamer, tu peux voilà, très bien désafficher le truc, finis ta game, tu lis 5 minutes les dons en speed et tu réponds. Et tu repars oui, pendant game. Le lobby quoi. Oui, c'est pas mal. Il y a plein d'autres. Oui, mais les gens payent aussi pour s'afficher dans ton live. Ils payent mais pas que pour parler. Après. Tu peux les afficher, t'as un bouton replay et tout. Ah, ah oui, ok, ok. Genre après la game, tu cliques sur le après message game, que tu lis. Tu fais tout replay et. Ça fait vraiment un moment que t'as plus stream, toi. Non, mais tu, moi je savais pas non plus. Bah, surtout, ça fait un moment qu'on accepte plus. Qu'on a pas de dons. Ah, nous on prend pas les dons ici. Et je pense que du coup. On prend pas les dons, on pousse pas les subs. J'ai lu un mec hier qui disait oh lol, ils sont 400 subs. Il y avait plus sur Eclipsia. Ouais, sur Eclipsia, on était là tous les jours à vous sucer la queue pour avoir des subs. Donc là, on n'en parle jamais. 9220 subs alors. Qui ça ? Gotha. Il a plus de 200 subs là en 30 minutes apparemment. Donc, Ah, bien joué à lui. Bon, après, c'est normal. C'est le. C'est entre guillemets, non mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pourquoi il y a 1 milliard de subs là, parce qu'il y a les skins Fortnite et qui est le premier streamer Fortnite, bah c'est Gotha, donc c'est classique quoi. Après tous les gens qui jouent à Fortnite ont aussi pris des subs, hein, genre j'ai vu un tweet de du joueur Millennium, je sais plus lequel, après, qui a aussi pris, qui a dû prendre au moins 40 abonnements alors qu'il doit en avoir 200. Donc et c'est pourquoi beaucoup, nous on galère à avoir des abos, déjà parce qu'on pousse pas, et deuxièmement parce qu'on représente une société, c'est-à-dire que quand vous donnez 5 balles, vous n'avez pas le sentiment de me donner 5 balles ou de donner 5 balles à Ailey ou de donner 5 balles à Zulu, vous avez le sentiment de donner 5 balles à Webedia et ça vous fait mal au cul, et du coup vous le faites pas. Mais je juge pas ça, je comprends. Je juge, j'explique pourquoi les gens préfèrent Sabo à Gotha qu'à nous et voilà, c'est juste moi, qu'ils soutiennent une personne au lieu de soutenir une boîte, et ils préfèrent ça. Ouais, moi je touche 1,50$ sur mes subs, même pas, je crois. Ah ouais, ah ouais, ouais. C'est chaud. Bah, faut que je joue avec Webedia là. Ah bah ouais. Ah, Thierry Faut aller voir un truc là. Bref, bon, sur très ce, bien. Allez, les vidéos. Zulowski, première vidéo. Non. C'est vrai ? Ouais, c'est moi. Ah, si, on n'avait pas tout montré encore. C'est vraiment toi, mec ? Mais non, c'est pas moi. Ah, parce que non, mais j'ai un micro. Et il tombe à l'infini, gros, j'ai déjà vu cette vidéo. Ouais, son pote, il a de zéro, hein. Il tombe à l'infini. Et il arrive pas à freiner, ouais. Ça m'est déjà arrivé. C'est trop marrant. Tu vois, ça m'est déjà arrivé en plus qu'il me tire. Ah bah oui, moi, ça m'est déjà arrivé. Par contre, ces skis, ils ont été bloqués avec du savon ou... Bah ouais, comment il a pu se déclipser autant alors ouais, que les skis n'ont pas bougé ? Ils sont pas serrés. Soit c'est mal réglé, mal réglé, soit il a vraiment fait un troll, mouvement bizarre. Ou alors il a, c'était il a fait juste pour la vidéo, troll. Regarde, c'est un troll et s'est téléphoné. Oui, oui, voilà. Fake. Après, le rire avait l'air d'être. Par contre, il y a un mec dans le chat qui a dit vous lisez pas les subs. C'est vrai. On lit pas les subs. Mais après, on est en émission. On est en émission, ça casse le show, donc on peut pas dire merci toutes les 2 minutes. Je pense que c'est dans votre intérêt. Il lit pas les subs en ce moment, je crois, parce que sinon il est pas fini. Si, il le faisait hier. Oui, mais après, il était genre 3h du mat aussi. Oui, il y a la fin. Ce que je veux dire, c'est que quand t'as 200 subs en 30 minutes, tu lis pas tous les subs parce que tu peux pas en fait. Sinon, tu joues pas ou tu fais pas ton stream, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, ça paraît logique aussi de pas. En vrai, ça interfère beaucoup hein, dans une game. Ah ouais, moi, ça me dérange pas du tout quand un mec stream en solo sur fond vert, tu vois. Je suis en mode, bon, voilà, il remercie le mec qui sub toutes les 5 minutes, c'est largement supportable. Par contre, quand t'es en émission, que t'interagis avec d'autres gens, que finalement tu peux assez peu lire le chat et d'un coup, en plein milieu d'une phrase, t'as un truc qui pop et genre. Je me souviens à l'époque d'Eclipsia, on se coupait la parole pour lire le don. J'étais en mode, bon, ça va, au bout d'un moment, casse les couilles aussi, est-ce qu'on peut faire l'émission ouais. Voilà. Mais bref, pour le réglage des skis, moi je sais que mon premier jour de ski, le mec qui a réglé mes skis, il les a mal réglés, c'est-à-dire j'avais un pied qui rentrait, l'autre pied qui chaussait pas. Et en fait, il faut savoir que donc il règle la taille de ton pied pour que tu puisses chausser, et règle aussi la sensibilité à laquelle ton ski va se déchausser quand tu vas tomber. Ton et en fait, j'ai demandé au mec, parce que
le mec est censé demander ton poids, et en fonction de ton poids et de ta pointure, et de ton potentiel aussi, effet de levier qui va pouvoir être exercé, c'est-à-dire que si t'as des grands pieds, eh bien tu vas déchausser plus facilement, donc il va falloir resserrer un petit peu, etc. Et le mec m'avait pas du tout demandé mon poids. Oui, et du coup, genre, potentiellement, j'aurais pu le juger. Ouais, voilà, il a peut-être. Mais c'est, oui, la feuille, ça c'est fait de la quoi, merde. Ça c'est 600, de la merde. 650 kilos. Parce que le problème, c'est qu'à 5 kilos près, en vrai, c'est chiant, tu vois déjà. Ouais. C'est de la merde. Et le mec, on lui dit, mais pourquoi vous ne demandez pas notre poids? Il fait, bah, en fait, une fois, j'ai demandé à des femmes et. Elles l'ont un peu mal prise, du coup maintenant je peux le juger. Ben gros, je préfère que tu me demandes mon poids et que tout le monde rigole autour parce que je fais X kilos que me péter un genou. Enfin, je veux dire, t'es un peu con quoi. Enfin. Mais c'est surtout. C'est... Sinon, tu te déplaces, on te le dit dans l'oreille. C'est la bon, réflexion quoi. La plus débile que j'ai jamais entendue. Ah bah oui, c'est parce qu'il a rencontré deux connes, le mec ne fait plus son métier correctement. C'est une excuse, parce que qu'est-ce que c'est que ce délire ? Enfin, je veux dire, entre la sécurité et la. Dignité entre guillemets, je mets des gros guillemets. Hein, mec, fallait lui mettre un coup de genou, il est malade. Non, mais t'inquiète que je suis bien allé changer mes skis parce que y en a un qui n'était pas réglé et j'ai dit à son patron, j'ai fait c'est pas normal, il m'a pas demandé mon poids, en plus il est mal réglé, ça me casse les couilles. Je lui ai pas dit comme Fais-le ça. J'étais assez aimable, tu vois. Je veux dire, en gros je lui ai fait comprendre que c'est chiant, tu vois. Genre t'arrives au ski, il te le règle pas bien. On a compris. Plus, on a compris. C'est bien vieux quoi en fait. Une autre vidéo peut-être, Tariq. Bon, non, je pense que Zulu nous a fini là. Ouais, bah nous on a terminé. Bien. Non, on va mettre une petite vidéo d'un husky, un husky qui perd ses petits poils. Et du coup, son maître, il est en mode vas-y, nique ta mère. Ah, l'husky, j'étais, mais ils ont pas de poils. Non, en mode allez, on va tout enlever. Qu'il est troué sur Dommage, je peux pas interrompre. Allez, on enlève tout ça. Okay. C'est quoi, c'est les poils d'hiver? C'est trop bizarre. En gros, c'est ça. C'est... Ah bah vaut mieux faire ça dehors quand même. Tout ça sur ton canapé. Ouais, c'est pour ça, ça doit être un enfer. Oh, moi je déteste les animaux. Enfin je déteste pas les animaux. Non, arrête cette phrase ici. C'est terrible, ça. Je déteste les animaux qui perdent leurs poils et tout, ça me casse les couilles, sachant que je suis allergique à la salive de chat, donc du coup les poils de chat c'est à terrible. À la salive de chat? Bah en gros quand t'es allergique, jamais allergique au chat, t'es allergique à la salive quoi. C'est parce qu'il se lèche et que du coup les poils. T'as pas eu de réaction quand t'es venu à la maison? Non mais je suis peu allergique, mais par contre par exemple quand je suis allé chez Zulu pendant 10 heures, à la fin j'avais les yeux qui piquaient, j'éternuais et tout. Okay. J'attends le mec qui va sortir, j'ai rien, tu peux pas rouler des pelles au chat du coup. Mais personne pense ça. Moi aussi. Oh là là, t'es allé très très loin là. Mais ouais, les poils ça me saoule. Pareil quand je vais chez Valouz et que son chien il est sur moi, je suis en mode ouais t'es bien mignon mais vas-y casse-toi quoi, parce que j'ai des poils partout, ça m'énerve. Ouais, c'est pas les poils, c'est sûr que. Un husky c'est classe, et mais. Et par contre, il bouge pas du tout le clébard. Bah non, parce qu'il est en mode. Et ça lui fait du bien, il est en mode. Bah beau jeu à toi, mec. Donc voilà, bref, c'est pas insane, hein, et c'est fini. Il va pas avoir de plot twist, donc tu peux arrêter la vidéo. D'accord. Y a pas de soucis. Mais c'est un vrai aspirateur ou c'est un souffleur? Non, c'est un souffleur. C'est un souffleur. Ah oui, il aspire pas, il souffle. Parce qu'on dirait un truc d'aspirateur en fait. Ouais, il lève même la petite patte, là, il est en mode. Oh, oui, ça gratte. Oh, oh qu'est-ce que tu mets? Non, mais c'est ultra spécifique comme truc, non? Ça sert à quoi un souffleur? Bah c'est pour les feuilles ou les trucs dans le genre. Bon, vas-y, David, j'en ai peur que ce soit ultra. Et après, tu t'arrêtes là, comme ça, tu vois double face. David, tu peux mettre la troisième vidéo. Troisième vidéo, c'est un beau gosse. Attends, tu peux. Il faut que tu montes un peu le son parce que c'est un claqueur de doigts professionnel. Ah, c'est des doigts, il a pas d'outils? Je vais niquer les poufs. J'arrive même pas à claquer mes doigts comme ça, gros. Ouais? C'est giga stylé. Tu peux faire ça aussi. Secoue tes doigts et fais les claquer. Non mais il fait avec plusieurs doigts en même temps. Il claque genre ces deux là ensemble et... Ah tu fais bien quand même Zulu en vrai. Ouais il a mal aux doigts. Après il vit le truc hein. Il ralentit là, quand c'est chaud. C'est trop fort en vrai. Il doit sniquer. Il surjoue un peu peut-être. Ah ouais, ça doit tirer. Ça doit faire ultra mal, gros. Là, il est en pleine Moi, je l'ai fait pour blaguer. Refait. Tu veux mettre et un à deux, vous arrivez presque à avoir à son rythme tout seul. Il s'appelle Sato Yuki Fujimura. Et c'est. C'est un record en plus. C'est un boss. Il a une chaîne YouTube d'ailleurs. Une chaîne YouTube. Mais surtout qu'il claque aussi bien de la main droite que de la main gauche. Alors, quand même, la main gauche, j'ai vraiment du mal. Attends, j'arrive pas à la gauche. Je te link sa chaîne YouTube d'Ave. C'est mon troisième lien dans ma chronique. À un moment, il fait la première partie Kenny West. Ah, la main, faut vraiment que j'arrive à. Il fait plein de chansons en plus. Ah, oui, mais c'est son bazar. C'est son métier en fait. C'est son travail, ouais. Ah, il est claqueur plutôt chaud, quoi. Claqueur de doigts professionnel. Ah, David, t'arrives à retrouver?
Ouais, dame. C'est le moment chiant de l'émission où tout le monde essaye. Hein, mais c'est ça, ouais. Tellement. Voilà, sa chaîne, n'hésitez pas à aller chez vous. Vas-y, clique au pif. Hein. J'ai pas regardé sa chaîne. Pas terrible la miniature, hein, par contre. 223 abonnés, je suis déçu. Tout stack. Le mec est batteur de doigts, quoi. Il fait que la batterie. C'est un peu moins classe, là. En vrai, c'est stylé. En fait, il fait juste ça et il rajoute le son derrière. Bref, voilà. Vrai, on mieux, on en a vu un, on a magnifique un peu. Magnifique double pédale, allez. On a un moi, peu je claque mes couilles aussi vite. Est-ce que vous avez merci déjà joué c'est les couilles à, des jeux flash? Je pense oui. Que oui, on a tous l'âge ici d'avoir joué à des jeux flash sur, par exemple, le site que tu utilisais. Miniclip. Miniclip. Ouais, Miniclip, c'était un bon j'aimais site. Bien. Il y avait pas trop de pubs où tu cliquais et ouais, les autres. Tu te oui, rappelles j'en ai fait ouais, sur mes jeux flash. Jeux flash, moi. Ouais, pardon, j'ai peut-être trop rigolé pour cette blague, mais Plot Twist, il y a du blanco dans les mains. C'est vrai que ça fait le même bruit, le blanco. Quand tu le secoues, tu sais, avec la petite boule qui est dedans. Pour pas que ça se vise vite. C'est quoi cette marque? Je comprenais pas, tu vois. Et toi, t'as déjà joué à des jeux flash? Moi, sur jeu.com. Jeu.com, et toi, Max? Pardon, répète la question. Un jeu flash. Les jeux flash. Tu faisais des jeux flash? Ouais, Runner 3, c'était trop bien. Runner 3, c'est le nom du jeu, mais t'avais pas un site où t'avais plein de jeux? Congregate. Il y en a plein. Il y avait un. Ouais, mais Congregate, il y avait des trucs. Un vraiment, peu vénère, ouais. Il y avait vraiment des trucs bourbiers à l'époque, genre action flash, flash machin, action aventure. Aucune mémoire. Avec les pingouins Linux, c'était en mode je suis sur un site de hacker qui hack des jeux et tout. Absolu Flash, ouais, de la merde ah, comme ça. Ah, Absolu Flash, ouais, je fais là-dessus. Absolu Flash, j'avoue que tout le monde a connu ça. Moi, je jouais sur Gamus hier. J'étais d'ailleurs un éminent modérateur de ce site. Ouais. Non, en vrai, c'était super bien ce site parce que en gros. C'était un site FR, mais c'était un site où il y avait un championnat du monde, entre guillemets. Enfin, c'était le nom et truc, mais il y avait un championnat de jeux Flash, en gros. Tous les jours, tu venais, tu avais trois jeux parmi les 20 jeux. Et ceux qui faisaient les meilleurs scores, ils étaient en top, ils avaient une coupe et tout. Et à la fin, tu avais le champion du mois et c'était trop bien. Tu étais en mode, putain, je suis champion du mois de ce jeu, tu étais le boss et tout. Et il y avait une champion compète. Du mois. En vrai, marrant. Ouais, j'ai été champion du mois, mais moi, j'étais plus du niveau chat, quoi. J'étais plutôt un modérateur de chat et un très, très gros quotient intellectuel sur... Le dernier jeu Flash comme ça que j'ai dû faire. C'était, je crois que c'était à l'époque, c'était H&M. Ils avaient fait, je suis pas sûr du site, hein, mais ils avaient fait une pub. Et en fait, tu pouvais gagner un vélo, comment ça s'appelle? Les fixies, les pignons fixes, tu vois. Tu pouvais gagner un vélo et en fait, t'avais un mini-jeu où il fallait être premier. Et en fait, c'était le vélo, tu devais le faire pencher droite-gauche et il fallait pas le faire tomber. Ah oui. Et mec, j'avais passé ma vie dessus, je voulais trop gagner. Au début, ça allait. Et après, je suis revenu le lendemain, gros, pff, j'ai vu les scores, j'étais là, mais comment les gens font quoi? Ils ont dû jouer une heure comme ça, faire ça. Oui, il y avait des mecs qui étaient vraiment. Sur Gamus, il fallait commencer à minuit 1, comme ça, t'étais top du jour. Tu t'allais sur le forum et t'avais la bannière en dessous, top du jour sur le jeu, t'étais en mode. Tu revenais le matin, il y avait un mec qui t'avait enculé. Hein, le champion du monde. Tu sais, il y avait les champions du monde de chaque jeu. Et il était en mode, ce soir, aujourd'hui les gars, c'est mon jeu, je suis DSL. Le mec il jouait pendant 3 heures, il arrivait, c'est... Sell it guys, I'm the top. Enfin, c'était bien marrant, mais c'était la bonne vieille époque. Bref, si je vous montre cette vidéo, enfin si je vous demandais ça, c'est parce que la prochaine vidéo va peut-être vous rappeler un célèbre jeu Flash auquel vous avez peut-être joué. C'est parti. Ah, oui. Évidemment, c'était tellement cool. Non, mais vous avez tous parlé sur le truc. Bon, c'est pas grave, tant pis. Il a dit qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'était marrant. Non, mais c'était la phrase de Morpheus qui était marrant. Il a dit quoi? Bah, je sais pas. Je viens de te le dire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, mais. What non, la réponse. Ah merde. Ah oui, c'est. He's beginning to believe. Ah. Pardon. Sauf qu'il a. Il commence à croire. Il l'a raté. Il l'a bien raté. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Ça, c'était les pires jeux où tu faisais. C'est vrai que ta moto, tu retombais et t'es en mode non. En fait, t'as pas de tous les jeux flash depuis 20 minutes, là, on débat là-dessus. Juste pour ça. Ouais, pour ça. Ah, okay. C'est ça, hein. La cave, gros. C'est beau, hein. Non, mais... On part d'un sujet de merde, on digresse pendant 20 minutes et à la fin, on te monte un petit truc et on passe à la suite. Voilà, c'était une petite. Voilà. C'est le concept. Toi, la prochaine vidéo va peut-être te parler, ça t'est peut-être déjà arrivé. Enfin. Avec ta partenaire, mais je ne vais rien dire. Bah, tu vois, c'est voilà, sexuel, voilà, j'étais sûr. Désolé, ouais, mais lui, c'est le baiser un peu ici dans le coin. Ça va te sortir une vidéo avec une poutre qui tombe ou un truc. Non, pas ça. Vraiment. Non. Vas-y, tu peux mettre la vidéo. Oh, bah cette mayonnaise! Elle est tombée, cette mayonnaise! Oh! Alors, on laisse. Oh, bah alors! Alors, Nemless. Il a mis moins de temps à l'amener, mais c'était tout aussi drôle. On se contrôle pas, Nemless? Alors, tu sais, elle est en mode non, mais dis-toi! Bah, ça me fait penser à Sky Movie, là. Mais... Oui, le fameux. Bah, oui! Et la meuf qui est collée au plafond. Exactement. Ouais, voilà. Et puis, on va parler d'une vidéo qu'on n'a pas pu mettre hier parce qu'on était un peu late. C'est la nouvelle vidéo de Rémi Gaï,
Rémi Gaillard qui a refait une vidéo sponsor Bravo Loto. Mais cette fois-ci, il sort pas juste dans la rue en donnant de l'argent. Il fait un petit jeu. Voilà, on va mettre un petit extrait. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous donner du fric encore et encore. 100, 150. C'est bien d'habiter à Montpellier des fois. 100, 300. L'application gratuite de Loto en ligne qui s'appelle Bravo Loto m'a demandé de faire une nouvelle publicité pour eux. Combien ? Un numéro entre 1 et 1000. 1000 ? Entre 1 et 1000 ? Ouais. 12. Oh, et je me suis dit que l'argent qui est encore pour faire ça, j'allais encore vous le donner. Bah, tu viens de gagner 2€. Tu viens de gagner 12 euros, Brigitte. Non, Brigitte. C'est pour les animaux, donc je te remercie, je te fais un bisou. En gros, il demande entre 1 et 1000. Non, non, je déconne pas. Et après, il donne le reste à son association. 12 euros, Brigitte. Merci. Passe une bonne journée. À vous aussi. Merci. Bonne continuation. Ciao. Tu sais compter jusqu'à 1000 ou pas? Ouais. Non. Non? Non. T'es sûr? On a pas été à l'école. Vas-y, pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est doute qu'il y a un truc quand même, tu sais. Parce qu'il y a une caméra et tout. On va pas aller jusqu'à 1000 là. Tu vas jusqu'où tu veux. Non, ça va vraiment être trop loin. T'es sûr? Ouais. 25? Ouais, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ça va ou quoi? Alors lui, il sent que ça va. C'est quoi ton prénom? Paul. Paul, ça va ou pas? Il a enculé son vélo. 423. 423, tu viens de gagner 423 euros et tu viens de donner la différence aux animaux. Énorme. Voilà. C'est trop bien, c'est trop bien. Tiens, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56. Ouais, c'est bon, je vais m'arrêter là. Tu t'arrêtes là? Ouais. T'es sûr? Ouais. Continue. C'est toi qui vois, C'est gratuit de toute façon. Hein. Oui, bah je... c'est le nombre d'argent que tu vas gagner. Hein. Ah, elle a trouvé. Non, ça du coup, elle va aller jusqu'à 1000. Mais elle est con, elle continue pas quand même. 180, elle a gagné que 60 balles. 90, 200. Tu comptes de 10 en 10 maintenant? Ouais, voilà. Ok, vas-y. Bien joué. Passe une bonne journée, moi j'y vais. Clairement, on continue de tourner, les gars. Allez. 250. 300. Oh, il est pas bien, il en peut plus. Bah, il existe. 83 euros, c'est énorme. 350. Bah, même c'est énorme tout court. Bah oui. Enfin, sauf quand t'es Gotha, quoi, mais. Pas plus. 400. 410. 410. Ouais. Lui, 410, il compte en plus. Bon. Je te fais une remise pour les animaux. Oh, merci merci beaucoup. Ciao, Paul JV. 410 balles. J'aurais pu continuer. 150, super. Et la meuf, elle en mode pourquoi il a pas demandé à moi. Oui, c'est ça, ouais. Bonjour. Tu fais de l'auto-école? Ouais. C'est quoi ton prénom? Léa. Est-ce que tu peux me dire un chiffre entre 1 et 10 000? 900. Oh, dommage. Léa, descends de la voiture, tu viens de gagner 900. Ça, c'est la vie. C'est une blague. Ça veut dire 9000 balles, gros. Ça veut dire que s'il peut donner 10 000 balles, et qu'il a déjà 9000 balles à plein de gens, techniquement, là, la fille, elle doit lui filer 100K. Ah ouais. C'est une OP. Même toi, c'est normal, hein, c'est ce genre d'OP. Toi, tu veux jouer aussi? Ouais. Attends, deux secondes. J'ai besoin de tout. T'as bien le chiffre, alors, côté. Dis-moi un chiffre, entre 1 et 1000. 1 et 1000. 2600. Entre 1 et 1000. 260, garde-toi, tu viens de gagner 260 euros. Je te la ferai pas à toi. Ah oui. Oui, c'est le ce que tu viens de dire, je te la ferai pas. Bon, 260 en tout cas pour toi, la différence pour les animaux. 900 pour toi, la différence pour les animaux. Dis-moi un numéro entre 1 et 1000. Hein? Zéro. T'as rien gagné. Tu là par contre il a pas dit entre 1 et 1000. Hein. Bah ouais. C'est vraiment bâtard. Hein. Tout à l'heure il a dit. Ouais, mais là c'est trop bien pour la vidéo. Oui. Zéro, bah, t'as rien gagné frère. Oui. Allez, ciao. Bravo. Voilà, bon vas-y tu peux 4. Hein, Ah putain. Voilà, c'est plutôt marrant, je trouve, ouais, cool, de faire des vidéos sponso de ce type-là. Donc lui, voilà, il va pas prendre l'étude pour lui, mais il l'avait déjà fait. En fait. Oui, après il a, mais après c'est pour son assos, etc. Donc voilà. Mais c'est plutôt, je trouve ça plus sympa de faire ça entre guillemets. Bon, ça veut pas dire que celui qui fait une OP sur un jeu, je vais lui chier dessus parce qu'il prend l'étude pour lui. C'est juste que c'est plus marrant de faire ça que de dire juste je fais une pub et je prends pour mon assos. Bon, après, il prend peut-être au passage aussi. Hein. Mais il prend au passage. Bien sûr. Évidemment. Ah bah oui. Et il vit aussi. Hein. Oui, il vit aussi, t'inquiète pas. Mais c'est juste que bon, je sais pas combien il lui donne, mais voilà, il a quand même reversé pas mal de thunes. Quoi. Ok. Donc, voilà. C'est bien parce que ça fait un moment qu'il a son idée en tête avec les animaux, qu'il poursuit, qu'il insiste là-dessus, et pour le coup, il le fait bien, donc bravo à lui. Quoi. C'est son combat, on peut le dire. Bien joué à lui. Une autre vidéo peut-être, Xari? Non. Non, on s'arrête là? Ça ouais. Suffit? Bah, un œil sur les réseaux sociaux alors. Jingle. Ah, je t'ai surpris. Bah voilà, le jingle est fait du coup. Zulu. Good Prime. Ah ouais, bah non. Merde. Bah... Oh là là.
Ok, Bax, donne-moi un nombre entre moins 1 et moins 1000. Moins 1. Bah, tu me dois un mal, allez. C'était incroyable. Premier tweet. Je l'ai sorti à 10 km. Ah, je l'ai vu dans le chat, c'était drôle. Bah, c'est drôle ça. Même Lève qui a envie de partir maintenant. Je pense que tu peux remettre un petit coup d'applaudissement, hein, David, juste pour être sûr. Voilà. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Allez, vas-y. Arrêtez. Bon, le premier tweet, je suis désolé, c'est mon tweet, mais je pouvais pas passer à côté, j'étais obligé de parler de ça, ça fait 2 ans que j'en parle. Yu-Gi-Oh! VR, les gars, Yu-Gi-Oh! VR, c'est là, ça arrive, c'est pas fini, c'est du Fine Made, mais non, grand écran, fais péter, mon bro. Zulu, je te vends moi acheter ces vibes, ça t'intéresse? Bah pas maintenant. Pas maintenant. Je lui ai dit juste avant la même. Il a essayé de me le refourguer. Ça fait 2 ans j'en parle. Pour ceux qui me suivent depuis 2 ans, vous le savez, j'en ai parlé. C'est ce que je rêvais. Du Yu-Gi-Oh! VR en mode Batailleville, Battle City. Donc dans la première génération de Yu-Gi-Oh! La saison numéro 2, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ce que je voulais. Bon, c'est pas fini, c'est pas opti, c'est moche, on le sait. Mais franchement, il est en train de réaliser mon rêve. Vas-y, mon gars, va au bout de ton rêve. Vas-y, fais-le. Je vais investir chez toi. J'ai pas d'argent, mais je vais investir. C'est incroyable. Xari, t'en penses quoi? Rapidement. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Mais... Non, mais attends, t'as pas vu l'invocation? Si, j'ai vu l'invocation. Dragon blanc, yeux bleus. Parce que moi, j'ai vu ça, j'ai fait. Ok, il y a les animations, c'est assez pourri et tout, mais. Non, c'est ça ou c'est pas ça? Screw the rules. Waouh! Mais ça va aussi! En vrai, c'est bien, mais le problème, c'est que la jouabilité a l'air horrible. Ouais, en fait, le truc qui me saoule, c'est que t'es obligé d'avoir des manettes en main. Et du coup, c'est, tu prends pas une carte, en fait. Tu cliques dessus, tu sais, c'est. Mais si, tu peux la prendre. En fait, toi, t'attends les gants. Parce que t'as des boutons. Non, mais lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il aimerait qu'on voit juste ses mains et qu'il puisse vraiment faire ça. Et on voit les mains. Tu pourras le faire. Oui, mais non, mais ce qu'il veut dire, c'est que tu pourras dans 10 ans. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est que sur la manette d'HTC Vive, t'as les boutons de pression pour serrer les doigts indépendamment. Il veut pas de manette. Il veut une manette de la forme du truc. Et ben il faut un gant. Il veut le gant ou il fait. T'arrêteras de me casser les couilles là. C'est ce que j'étais en train de me dire. Sauf que moi je suis d'accord avec Zay, je pense qu'en fait tu vas t'éclater 5 minutes. Tu vas pas trouver ce fun de faire. J'invoque. Et du coup tu vas juste ne jamais utiliser le casque. À voir. En tout cas, moi ça fait plusieurs. Bah, plusieurs mois, voire plusieurs années que j'en plusieurs parle. Plusieurs décennies. Et je suis très content. Mais c'est bien qu'il commence. Mais il y a encore énormément de travail. C'est une bonne première fois qu'on a mis. Oh, il y a un mec qui dit on est des frères d'épée parce que t'es trop content de montrer ça et qu'on est blasé. Mais on n'est pas blasé du tout. Mais on n'est pas blasé, c'est juste que je suis content pour toi, mais désolé frère, j'y jouerai pas tant qu'on peut pas faire. Mais non, mais moi je suis content. Mais franchement, j'arrive ici. C'est Néos. Et vous foutez de ma gueule. Moi j'en peux plus. On comprend pourquoi t'es que figurant. Oh mec. Le tweet suivant. Je peux plus parler là, c'est fini. Je vais le faire pour toi. La deuxième vidéo, c'est une vidéo de moi. Alors je sais pas pourquoi. Max vidéo. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est l'événement un peu. C'est l'événement de la décennie. Non, Max Hildan qui a sorti une vidéo sur son YouTube. Bravo monsieur. Non. C'est un événement. C'est à voir. Regarde. Première qui apparaît, elle est incroyable. Non. Ah bah ça exploite le buzz quoi. Tu vas pas parler de Gips là par hasard? Si j'ai un insulté Gips. Je sais, je l'ai vu hier. Non mais les connards au cinéma, parce qu'en fait évidemment le gros de la vidéo c'est toutes les missions où on parle des mecs qui cassent les couilles au ciné et de ce qu'on pourrait faire contre eux, et du coup il y a un mec qui s'est proposé de faire des montages ultra cut de des fois quand on parle très longtemps d'un sujet, genre par exemple là les animaux. Bon là je lui dirais de pas le faire parce que tout le monde était en mode Max Tator ferme là, je lui dirais bon laisse tomber. Mais sur des trucs où tout le monde est en mode lol c'était marrant, voilà, bah du coup il y a moyen de faire un petit montage, un petit résumé de 10 minutes et c'est cool. Moi, j'ai appris un truc. Ça on en a vraiment parlé pendant genre 45 minutes, hein. C'était très très long. Moi, j'ai appris un truc, c'est que t'es grave vénère par contre dans les vidéos. Bah oui, je viendrais pas te faire chier. Clairement. C'est ça. Enfin, toi tu peux le faire chier. Hein.
Oui, bref, toi tu peux, tu me fais chier, je lèche les tétons et je m'arrête là. Tu vois. Non mais c'est toi, regarde, c'est en direct. Ouais, c'est fou, c'était hein. Presque ça, incroyable. Avec les cheveux plus longs. Voilà, si vous voulez voir la vidéo, allez sur le YouTube de Max. D'ailleurs, on a parlé de ton YouTube dans le récap, sache le Nameless. Oui, Nameless qui a ouvert une chaîne YouTube, pouvait aller dessus. Il y a quoi dessus, du Fortnite? Du replay. Du PUBG, et quoi, des replays? J'ai fait une game de PUBG, je l'ai pas upload, je vais le faire. Mais non, c'est que des replays, j'ai pas le temps de faire autre chose. Ah bah, sacrée promotion. Ah non, mais je suis honnête, j'ai pas vraiment de... On donne une tribune et... moi, j'aime pas vraiment pas sur vendre. T'as essayé de lancer un appel pour avoir un monteur, peut-être? Bah, il y a un mec qui s'est proposé là, qui veut m'aider de faire des best-of. Non, lui, il veut une monteuse. Faut tenter, tu vois. Ouais, je verrai. T'as vraiment dit ça, là? Allez, tweet suivant. Tweet suivant, c'est Norman qui diversifie un petit peu ses activités. Ouais, putain, et alors sur le truc, t'as écrit Norman Porn. Ah oui, d'accord. C'est la blague. Incroyable. Non, bah, c'est tout. Il y a rien de plus. Hein. Ouais, il y a un air et la chanson. Mais je comprends pas, ils sont convertis dans quoi, du coup? Très bon. Je comprends pas ce que c'est. C'est quoi, Brazzers, bon. Du coup? C'est dommage qu'il y ait une faute quand même en 4 mots, quand même. Bon. Désolé. J'ai pas vu. Nous, hein. Elle est où la faute? Il a mis reconverti avec un T. Ah, y a pas de T, moi. Ah non, très bien. Je suis nul à chier sur les terminaisons de mots. Souvent, j'écris un mot. Féminin. Fait, en général, ça va, l'orthographe est OK. La dernière lettre. Féminin. Je sais jamais, est-ce que c'est un T? Est-ce que c'est. Au féminin. Moi, je l'appelle Xari à chaque fois que je sais c'est pas. C'est quoi, reconverti? Xari. Bah, tu dis pas reconverti. Tite, donc il n'y a pas de T. Eh oui, bien joué. C'est comment je fais, moi? Je tape sur Google le mot. Avec oui, moi aussi, mais souvent j'ai la flemme et du coup je suis en mode. Il s'est reconverti! Il y aura le Hitler de la grammaire qui viendra me casser les couilles, je viendrai se faire foutre et puis fin d'histoire. Puis, voilà. Très bon. Bon, bref, il fait froid en ce moment, très très froid. Oui, il caille même. Il a neigé un peu sur Paris, à mais Dijon, aussi. Le à Montpellier. Tram a déraillé. À oh. Dijon, parce que ça, malheureusement, ils n'ont pas salé les routes assez tôt. Et du coup, il y a eu un accident à Dijon. Oh, ah, le Dijon, tram qui a déraillé. Dijon. Ouais. J'ai failli m'éclater sur la route en moto hier. Parce que, en fait, là, il fait tellement froid. Comment dire? Sur le périph, il y a des endroits où tu as des ponts. D'accord? Un peu partout. Ouais. Alors déjà, il y a un truc qui est assez flippant. C'est qu'en fait, il y a des... Il y a des petites fuites en haut des ponts, donc tu as des petites gouttes qui tombent. Alors d'habitude, quand tu roules, bon, bah, tu as juste des gouttes qui tombent et puis des petites flaques d'eau par terre. Bon, c'est pas très grave, c'est juste chiant quand tu la prends sur la gueule au moment où tu passes, mais c'est la vie. Sauf que là, il fait tellement froid. Regardez si vous êtes en région parisienne, il y a des stalactites, stalactites qui tombent, stalagmites qui montent. Il y a des stalactites partout en dessous des ponts. Donc je me dis, putain, mais ça, le moment où ça se décroche et ça tombe, c'est vachement dangereux, tu vois. Il y avait Et surtout. J'ai eu un bloc de glace par terre. Et quand je dis un bloc, c'est en fait, je pense, c'est une petite mare d'eau, quoi, qui s'est givrée. Et ça a carrément un peu gonflé. Donc, ça a fait un peu une bosse, tu vois, comme ça. Donc, pas un truc très haut, tu vois, un truc, tu vois, par rapport au niveau du sol, ça, une petite bosse de glace qui était très large. Hein. Elle faisait la longueur à peu près de ma moto. Donc, c'est vraiment un beau bloc de glace. Long ou large, j'ai pas compris. Assez long, assez long. Et tu roules, et du coup, t'es sur la voie de gauche, t'es là où tu vas le plus vite, tu vois. Et d'un coup, tu vois le truc qui apparaît, parce qu'en plus, c'est sous un pont. Donc en fait, visibilité réduite, tu vois pas trop le sol. Et d'un coup, tu vois une masse blanche qui apparaît. Je veux dire, tu sais, Titanic, tu la vois, mais c'est trop tard. Et je suis en mode, bah là, je peux pas l'éviter, sinon je parle mon décor. T'essaies de te stabiliser au maximum. Donc j'ai fait, vas-y, tu tiens bien et tu vas tout droit. Et bah, quand tu passes dessus, je peux te dire, tu sers les fesses. Alors c'est passé, tu vois, mais je me suis dit, mais gros, mais le nombre de motards qui passent ici par jour. Parce qu'une voiture, bon, elle l'esquive, tu vois, mais une moto, gros, tu glisses, c'est fini, quoi. Et putain, je voyais ça, j'étais là. Dans les métros. C'est chaud. Du coup, après, je roulais bien à 2 à l'heure et bien sur les traces des roues des voitures pour pas que ça m'arrive. Quoi. C'était terrible. Vas-y. Non, c'est à lui. Mais en plus, c'est pas à toi, c'est à lui. Ouais. Incroyable. Bref, donc il fait froid. Bref, il fait froid, quoi. Il a neigé, il a givré. Et apparemment, il a neigé aussi à Montpellier. Et apparemment, ça a l'air d'en ravir certains qui en profitent un maximum. Alors que ce soit de la luge. Ou du ski ou du snow, comme on va voir. Comme on va le voir. Oh la vache! Ça se fait archi plaisir en même temps. Trop bien quoi. Bon, faut maîtriser un peu quoi. Et c'est à côté de la montagne, Montpellier ou pas du tout? Je suis en train de me demander comment ils ont des snow chez eux. Non, Montpellier, c'est à côté de la mer. Bah, ils vont aller au ski quoi. Okay. Oui, ils vont aller. En fait, ils sont pas loin du ski. C'est comme par exemple, quand on est allé au ski, je lui ai demandé c'était quand la grosse période. Il m'a dit c'est quand Marseille, enfin les gens de la région PACA, vont être en vacances parce qu'ils sont près des pistes de neige et du coup tout le monde y va. Enfin, ils sont pas méga prêts, ils sont en mode bon, en une heure et demie je suis à la montagne. Là, c'est prêt, bon, quand leur Pas-de-Calais est en vacances, ils ont moins de clients que quand Marseille est en vacances. Bref, vous avez compris, on continue avec la neige
eh bien, à Paris, c'est pas le même délire. Hein, voilà, quand ça fond, eh bien, ça laisse des traces avec l'ombre des chaises ici au parc des Tuileries. Voilà, stylé, c'est incroyable. Je me suis même demandé si c'était pas fake, mais ça a l'air plausible. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais. Pourquoi pas ? J'espère incroyable. Que tu finis pas là-dessus. Hein, parce que... Non, finis pas là-dessus, parce que j'ai encore plein de tweets, et notamment celui-ci. Je sais pas si vous avez déjà vu une licorne. Oui. Mais une licorne vénère. Ouais, dans les Sims. Non. Regarde. Vas-y, moi. Ah oui, si, elle est trop bien. Je vais retweeter direct sur la conférence. Il faut appuyer sur play. Hein. Oh, le... Je suis désolé, je t'ai chié dessus. T'as déjà vu une licorne énervée ? Mais c'est pas vrai, mais t'es vraiment trop con! C'est dommage qu'on ait pas la fin. J'aime trop les débuts de la meuf qui est en mode. Mais putain, mais t'es vraiment trop. Ah putain, j'aime trop. J'ai trop envie de le faire. J'ai trop envie de le faire. Il a buzzé, bien joué à lui. Ouais, il a buzzé. Ça valait le coup de se faire bolosser un peu par sa meuf. Pour et faire rire 30 000 personnes. Autant on a vu les restes de neige aux Tuileries. qui formait un petit peu des dessins, mais il y a aussi des mecs qui s'amusent à dessiner dans la neige. Alors non, ce ne sont pas des tubs. Non, c'est bien plus bien plus beau que ça. En fait, c'est un mec qui marche avec des raquettes dans la neige. Ça se passe aux Arcs, donc la station. D'accord. Donc on est sur une absence de race totale. C'est plutôt stylé, quoi. Wow. En plus, t'as vu la taille des arbres. Il a joué, quoi. Imagine, c'est le mec qui passe sur ton dessin. C'est comme à la plage quand t'avais fait ton château et que t'as le gosse qui passe. Putain. Bon, il y a moins de chances que ça se voit, tu vois. Par contre, j'avoue qu'un mec qui passe au milieu de mon dessin, c'est impossible. Impossible qu'il fasse ça tout seul. Et comment t'as le. Ah, si, c'est un drone, c'est long, quoi. Je sais pas comment tu peux voir. Et apparemment, ce serait sur la neige des lacs gelés. Attends, par contre, attends. C'est tellement précis et géométrique. Comment il fait ça, quoi? Après, peut-être comment il fait? Tu prends un drone, tu le mets au-dessus, tu filmes et puis tu regardes sur ton tour. Il fait ça depuis des années. Non, il fait ça depuis des années. Parce qu'il y a des mecs qui se sont amusés à refaire, tu sais, les fameuses formes que tu vois dans les champs. Tu sais que. Oui. Comment, oh, je, ouais, voilà. On pense que c'est les aliens, alors, etc. Là. Comment tu fais pour pas faire une erreur? C'est-à-dire, tu marches, tu fais ton truc, et d'un moment, il faut que tu retournes à un autre endroit. C'est qu'il est obligé de le faire en un seul trajet. Parce que s'il se trompe et qu'il doit marcher pour aller ailleurs, il est baisé. Mais ça se trouve, ça se voit pas en fait. Ou il revient sur ses pas, quoi. Oui, il revient sur ses pas. Il le fait en un seul trait, quoi. Chômage vie. Rien tellement. Crop Cisque. Oui, j'avoue qu'on est sur un chômage assez développé quand même. Et exactement. Bon, quand il neige, c'est chiant. Quand il pleut aussi. Et surtout, quand il pleut et que t'as rien à te mettre sur la tête. Eh bien, cette femme a trouvé la solution. Ah oui. Son gosse. Quelle pute. Bro. Eh bien, c'est son gosse, hein, calmé sur sa tête. Oh. Non, faut pas déconner quand même. Elle a un petit brooding. Bro. 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 Incroyable. Et on termine sur une petite news du Gorafi quand même, parce que ça fait plaisir. Bro. Les plats industriels augmenteraient de 90% le risque de manger en slip devant son ordinateur. C'est vrai. Bah ouais, c'est une étude qui est vraie. En slip. Ça m'arrive. Ouais. En kangourou. Qui porte encore des slips ici? Bah moi. Non mais... Bah tu peux, gros. Si, Zulu porte des slips quand il fait du water polo. C'est vrai, il y a des photos. Tu vois? C'est vrai. Voilà, bah, c'était l'histoire de ma vie. Voilà. Non mais c'est, je veux dire, l'industrie du slip est en danger. Personne ne porte ça. Ça va revenir à la mode, ça se trouve. Les magasins, est-ce que t'en trouves? Si t'en veux. Ouais, t'as le slip français là, tu sais, la marque qui a vachement marché. Ils ont fait masse. Après, pour une compagnie, il vaut mieux vendre des caleçons, il y a plus de tissu, c'est plus cher, non? Oh bah alors ça, et tu connais le prix d'un string, gros. Clairement, plus de tissus et plus cher, on aimerait bien. Et le maillot de Borat, tu sais combien ça coûte? Ah, c'est pas faux. Très bien, merci à toi Zulu pour ces quelques tweets. Mais on a bien rigolé. J'espère que vous avez passé un bon moment sur ce récap. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, c'est hors jeu avec Gros Cébrac qui arrive dans quelques instants. Reste avec nous sur le stream.fr. Nous, on va pas se revoir tout de suite, puisque demain, full VOD, puisqu'on est en départ. Pour Lille, on se donne donc rendez-vous samedi, effectivement. Alors, je ne sais pas à quelle heure le live démarre samedi. Je pense qu'on... À partir de 8h du matin, soyez là pour les coulisses. En gros, il y aura des coulisses, c'est-à-dire qu'on va commencer à diffuser des trucs bien avant que l'émission commence. Et à 18h, let's go, on lance le show et c'est parti pour un gros tournoi Fortnite. Et on espère, évidemment, ne pas avoir de problème technique.
Parce que si c'est comme la Lyon eSport, on sera bien déçu. On est 80 joueurs, on n'est pas 2000, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Donc si on a des problèmes, on est des connards. Je crois qu'on a 3 ou 4 fibres. Bah, on est des connards. Non, mais en vrai, il a raison. Si on a des problèmes, on est des connards. Le seul connard, c'est le monsieur qui s'occupe de la technique. Franchement, j'ai vu les plans de la scène. C'est fini. Normalement, on est solide. J'ai vu les plans de la scène et comment ça a l'air d'être setup. Franchement, ça a l'air d'être au poil. N'oubliez pas de venir supporter la Team Zulu. C'est ça. Venez en live et évidemment, on passera du temps avec vous. Ou sinon, venez sur le stream et on passera du temps avec vous, mais de loin. Voilà, juste avec le cœur. C'est déjà ça de pris. Allez, bisous. Restez sur le stream. Ciao. Peace.